Bonsoir à tous. Je crois que c'est le moment de démarrer. Voilà, je me présente d'abord. Je suis Jean-Michel Limoges. Je suis très heureux de vous avoir ce soir, après 3 ans, parce que ça fait 3 ans d'interlude. Et puis voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président de Roissy Entreprises. Je suis également chef d'entreprise, comme la plupart d'entre vous. Je gère la société Nagetech, qui est spécialisée dans le domaine de la télématique. On fait de la géolocalisation, donc de véhicules, d'objets, de biens et de traçabilité. Voilà. Alors, je tiens à tous vous remercier d'être venus quand même, malgré les aléas de la circulation. Pas facile. J'ai eu pas mal de défections. Voilà. Enfin, bon. Alors, je tiens donc aussi à remercier. Cette soirée est possible grâce au support de pas mal de partenaires et de sociétés. En particulier Pathé Gaumont, représenté par Laurent. Il est où, Laurent? Il devrait arriver. Il... Il Hein, va Laurent arriver, Allégret, il est il n'est dans pas son là? bureau. Ah, Laurent, il est là. Bon, d'accord. Donc voilà, qui nous reçoit dans cet édifice avec toute la prestation. Je tiens aussi à remercier nos amis de Stream Acassi, qui sont des gens qui animent toutes nos soirées. Et donc, je tiens à les remercier. Ils font toujours des efforts assez, assez conséquents. Et ici, ils sont un peu chez eux. Je tiens à remercier aussi Harry Traiteur. Harry Traiteur, donc, comment dirais-je, qui va animer le reste de la soirée. On a aussi des surprises aussi lors de cette soirée. On a donc une chanteuse que vous avez pu apprécier au début. Et puis, peut-être une surprise vers la fin. Voilà. Alors, je tiens à remercier aussi tous les adhérents. Je tiens à remercier également tous nos partenaires ici présents. Il y a les nouveaux, les anciens. Voilà. Alors, pourquoi on est là? Alors, naturellement, la thématique était assez particulière. On a l'habitude de présenter des innovations, de présenter des start-up, de présenter des gens qui ont des choses à dire. Et donc, de ce fait, on va aborder un petit peu des sujets actuels qui sont liés donc au respect de l'environnement. Et donc voilà, on va donc faire un sujet qui est très sexy, qui est donc le tri sélectif. Et donc on doit faire un effort pour trier nos déchets. Voilà. Alors nos déchets, il faut savoir que on parle beaucoup d'environnement, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de choses particulières, mais cette thématique de trier ses déchets est une thématique importante qui est à la portée de tout le monde. C'est un sujet qui est donc assez important donc de soulever, et donc on va, au travers de cette soirée, en parler un petit peu. Alors, il y a des chiffres, et chaque Français produit 600 kilos de déchets par an et par habitant. C'est colossal. Même vous, vous êtes impliqué aussi. Et donc, parmi ces 600 kilos de déchets, 20% sont simplement recyclés, ce qui permet d'avoir 80% d'innovation et de possibilités. Donc, c'est un secteur qui est en pleine évolution, en pleine explosion. Alors, en emballage, c'est-à-dire les emballages, simplement les emballages, ça représente 575 kilos, 375 kilos par habitant et par année, ce qui est colossal. Alors, naturellement, vous verrez, il y a un film qui va être passé, qui vous explique un petit peu le cheminement depuis ces années. On a un problème, on a un gros problème avec tous nos déchets. Et donc, de ce fait, on a des sociétés qui ont été mises à contribution. Donc, la société Citeo, qui existe depuis 24 ans, je ne vais pas entamer la présentation, mais bon, est chargée, est une société qui a la possibilité de financer des projets, parce que chaque pollueur, enfin entre guillemets chaque pollueur, c'est-à-dire chaque fabricant, s'est engagé, suivant une charte, à verser une partie de leur chiffre d'affaires, donc et constitue donc des moyens considérables de façon à retracer tout le monde. Voilà. Alors je vais laisser la parole à donc notre ami Sabine Altebourg, que je remercie infiniment. Alors, je crois qu'on a perdu notre ami.
Non, il est là. Il est là? Ah bah tiens, tu vas dire quelques mots. Donc on va dire à Laurent Allégret, je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Laurent qui nous accueille ce soir avec toutes ses équipes. Merci beaucoup et qui va vous dire quelques mots évidemment sur cette magnifique salle dans laquelle nous œuvrons depuis 2014, une fois par an au mois d'octobre. Une nouvelle fois, Laurent, merci pour ton accueil. C'est à toi de jouer. Merci à vous. Pathé Aérouville est très content et très honoré de participer à ces rencontres. Voilà, c'est avec grand plaisir qu'on a accueilli Jean-Michel et Damien pour cette nouvelle soirée. Donc, bienvenue. Comme vous avez pu voir, on vous a distribué une petite pochette à l'entrée pour vous montrer qu'aussi un cinéma, qui est un lieu public, où le gros de notre activité, bien évidemment, c'est la fréquentation des spectateurs qui viennent voir nos films. Mais on ne fait pas que ça. On a aussi des services qui sont dédiés aux entreprises. Donc, il y a quelques images pour vous présenter une salle exceptionnelle qu'on a ouverte depuis 2 ans, juste avant le Covid, qui s'appelle une salle Dolby, qui est ce qu'on fait de mieux en termes de salle de cinéma, et au niveau du son, et au niveau de l'image, et au niveau du confort. Ces salles, il n'y en a que 10 en France. On a la chance d'en avoir une dans notre cinéma ici. C'est une salle de 200 places, avec un son Atmos, donc c'est un son immersif. Il y a des dizaines d'enceintes dans le plafond, dans les murs, etc. On a une projection 4K avec 2 projecteurs laser et puis on a des fauteuils club qui sont des gros fauteuils en cuir électriques donc qui proposent ce qu'il y a de mieux, certains d'entre vous connaissent peut-être. En tout cas, je vous invite avec les places qu'on vous a offertes à découvrir cette salle. On a aussi d'autres salles, alors ça c'est toujours la salle Dolby. On a aussi un autre concept, pareil, on est assez exclusif sur ce concept VIP puisque en France il n'y a que 3 cinémas qui proposent ça. Les 2 autres sont dans le sud de la France, à Toulon et à Marseille. Et pour toute la région parisienne, on est le seul cinéma à proposer ce concept. Un concept qui se décline finalement pour le public en 3 parties. C'est un accueil personnalisé dans un salon privatif. C'est un petit salon que vous voyez ici. Et puis derrière, on propose un petit plateau dégustation avec une coupe de champagne, des petits macarons, des choses à déguster. Et surtout, on propose de voir des films dans des conditions assez exclusives. On a 2 salles. La première, c'est la salle lounge. Donc là, on est vraiment comme à la maison. C'est ambiance un petit peu canapé, voilà, avec des poufs. Il y a pas mal d'équipements, des petites lampes, des prises USB. Et puis la 2e salle, qui est celle qui est la plus prisée, c'est la salle cocoon. Donc là, c'est vraiment pour une soirée d'exception. En tout cas, nos clients adorent ces salles-là. Du coup, on n'a plus l'impression d'être dans une salle de cinéma. On a vraiment l'impression d'être dans un endroit très, très cosy, très intime. Et c'est une manière un peu exceptionnelle de passer une soirée cinéma. Alors, je ne vous présente pas que ça d'un point de vue public, puisque bien évidemment, ces salles-là, on les loue aussi aux entreprises. On a eu pas mal d'entreprises ces derniers temps qui avaient des petites réunions à faire, des réunions d'équipe, des réunions pour présenter une stratégie, pour présenter une communication, ou alors simplement des réunions de team building pour peut-être se retrouver dans un contexte un peu particulier autour d'un film. Dans la pochette qu'on vous a distribuée, vous avez tout un tas d'informations qui vous présentent ça. Il y a également les choses qu'on peut faire à destination des CSE ou pour des arbres de Noël. Et également, pour ceux qui ont des marques qui veulent se faire connaître, c'est assez nouveau, on avait arrêté ça depuis des années, peut-être que certains s'en souviennent. Avant les films, il y avait la publicité pour la pizzeria du coin ou le vendeur de meubles du coin, on avait arrêté ça depuis longtemps. Et puis, Mediavision, qui est notre régie publicitaire, a relancé ça. Donc on a des marques et des entreprises qui peuvent communiquer aussi sur ces écrans pendant la séance, avant le début du film. Donc vous avez pareil sur la plaquette ce genre de renseignements. Écoutez, merci de m'avoir écouté. Moi, je voulais vous dire ces quelques mots. Encore une fois, merci à Jean-Michel. Et puis, on reste ensemble pour la soirée. Et à très bientôt dans nos salles, j'espère. Merci à vous. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Donc, on va enchaîner par la suite. Alors, j'ai commencé brièvement une présentation de Citéo. Et je crois que je vais laisser la parole à Sabine Altebourg, qui est donc la directrice régionale. Je la remercie vivement parce que c'est grâce à elle qu'on a pu faire cette soirée. Et donc tous ses assistants, Jérémy Mahé aussi, qui est par là,
et puis tous ses collègues. Voilà. Moi, je te laisse le micro, peut-être. Bonsoir à tous. Alors, vous devez être super déçus de ne pas être dans la salle lounge, mais on a eu peur de vous perdre, en fait. Comme c'est un sujet pas très glamour, pour reprendre les termes de Jean-Michel, non plus sérieusement, quelques mots sur qui nous sommes. Alors, Citéo, je ne sais pas si ça vous parle à tous, et pourtant, on n'a pas 24 ans, mais 30 ans. Eh oui. L'objet de cette soirée, c'est de vous présenter nos actions qui vous concernent tous, puisque Citéo, c'est l'ancien éco-emballage, qui doit peut-être un peu vous parler, et qui est en charge d'orchestrer avec les collectivités la collecte, le tri et le recyclage des emballages. Donc on ne pouvait pas choisir un sujet plus tendance lorsqu'on parle de sobriété subie, de col roulé aussi, mais ça ne va pas suffire en fait. Ce qu'on veut interroger ce soir en vous adressant ce sujet, que vous soyez collectivité, chef d'entreprise, élu, c'est surtout la contribution qu'on a, l'urgence écologique, elle n'est plus à démontrer, et vous raconter l'histoire autour de l'emballage qu'on utilise tout à chacun, une fois de plus qu'on soit en entreprise ou en collectivité, et tout le progrès qu'il y a à faire autour de ce sujet. Citéo, dans un premier temps, c'est un éco-organisme donc, qui a la responsabilité déléguée par les metteurs sur le marché. Donc, vous avez peut-être entendu parler de REP, la responsabilité élargie du producteur. Ceux qui mettent sur le marché ont cette responsabilité financière d'assumer financièrement les futurs déchets qu'ils mettront sur le marché. Notre rôle à nous, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de l'économie circulaire, donc les collectivités, mais pas que, et encore plus demain d'ailleurs, pour aller capter en fait l'ensemble de ces emballages, pas que le plastique, hein, les métaux, les papiers journaux, et les réintroduire dans une boucle vertueuse d'économie circulaire. Donc on vous a présenté quelques chiffres dont on pourra reparler, évidemment. Jean-Michel disait très justement, il y a de la performance à aller chercher lorsqu'on sait que 80% de nos poubelles pourraient être recyclées. C'est quand même un chiffre qui sonne, quoi. Et la responsabilité qu'on partage tous, c'est de vrai, évidemment, sur le sujet. Donc on trouvait important d'adresser ce sujet à l'ensemble des acteurs de territoire, puisque demain, dans les responsabilités que nous allons avoir à gérer en territoire, on va parler de tri hors foyer, c'est-à-dire lorsqu'on sort de chez nous, comment on continue à trier, quels sont les dispositifs qui sont adressés aux citoyens, dès lors qu'on est dans un établissement comme celui-ci. D'ailleurs, il y a le tri... Il y a le tri en place et j'en suis rassurée. Mais donc, comment on continue à faire ce geste tout au long de notre vie, c'est aussi sujet qu'on souhaitait adresser. Comment on innove dans ce métier, parce que j'aime le sujet pas très sexy glamour. C'est vrai qu'a priori, des déchets, ça ne fait pas vibrer. Il y a de l'innovation aussi, heureusement, dans ces métiers. Et on aura deux start-up qui témoigneront de l'innovation en lien avec la collecte des déchets. Donc on a une projection à vous proposer. Qui donne une rétrospective de ce sujet depuis la création en fait d'éco-emballage. Hein. 30 ans, c'est pas rien. Et l'intervention de sachants, scientifiques, collectivités, mais aussi industriels, puisqu'en fait, on ne souhaite plus, évidemment, et encore moins demain, scinder ce sujet. Ce n'est pas seulement l'affaire des collectivités qui œuvrent en territoire, qui déploient des moyens, mais c'est aussi la responsabilité des entreprises qui mettent sur le marché, qui doivent éco-concevoir pour faciliter ce geste qui nous alerte tous. Le premier geste, c'est le nôtre, en fait. C'est le geste de tri. Donc j'espère que vous prendrez plaisir à découvrir cette projection et nous aurons l'occasion d'échanger après, si toutefois des questions surviennent. Donc bonne projection à tous. Merci Sabine, merci beaucoup. C'est parti, Jean-Michel. Ouais. On a besoin d'adapter nos modes de production, de distribution et de consommation à la préservation de la planète, dans toutes ses dimensions.
Bien sûr, on a urgence à agir sur les déchets dans leur dimension environnementale. On est environ aujourd'hui sur les emballages à 70% de recyclage. Donc c'est un taux qui n'est pas du tout négligeable. On a réduit peut-être le prisme des déchets uniquement sur la question du tri sélectif et pas suffisamment sur une prise de conscience qu'il faut peut-être apprendre à consommer autrement. Nous avons pu constater ces derniers temps que des voix s'élevaient dans les médias, étaient reprises notamment sur les réseaux sociaux, pour mettre l'accent sur les limites du système de recyclage actuel. Cette scène de course, vous l'avez vécue des centaines de fois. Vous remplissez votre caddie de produits emballés dans du carton, du plastique, du papier, du verre, de l'acier ou de l'aluminium. Chaque année en France, nous consommons 5 millions de tonnes d'emballage. Dans nos vies quotidiennes, l'emballage est désormais partout. C'est la face émergée de notre mode de consommation, celle qui nous concerne tous. Aujourd'hui, les emballages se retrouvent au centre de l'attention. Dès lors qu'on aborde les sujets du réchauffement climatique, de notre empreinte carbone, de l'épuisement de nos ressources naturelles ou de notre santé. Avec cette question, comment réduire les conséquences négatives de nos habitudes de consommation? Pour répondre à cette interrogation, un petit retour en arrière s'impose. Au début du XXe siècle, la propreté des villes reposait notamment sur la récupération des déchets par les chiffonniers, ces recycleurs avant l'heure qui collectaient et vendaient tout ce qu'ils trouvaient. Mais à partir des années 50, c'est une toute autre histoire qui commence. Après-guerre, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les Trente Glorieuses, c'est-à-dire une période de reconstruction et de prospérité très forte avec l'émergence d'une classe moyenne et une appétence à consommer, à s'équiper dans beaucoup de secteurs comme l'électroménager, le meuble, l'automobile. Une appétence assez forte après ce qui s'était passé, évidemment, pendant la guerre. Il est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment vu comme un progrès. Il faut se rendre compte que dans les années 50 et 60, y compris encore dans les campagnes françaises, il n'y avait pas forcément d'électricité, il n'y avait pas d'eau. C'était quand même des conditions très rudes et très difficiles. Et quand on arrive à, avoir un frigo, à avoir, bien plus tard, mais une machine à laver, où on arrive à avoir un poste de télévision, c'était quelque chose d'incroyable et de valorisant. Et c'était aussi lié à cette promesse d'un renouveau. Et ce n'était pas forcément vu au sens où je vais consommer pour surconsommer et je vais faire du mal, pas du tout. C'était juste pour vivre une nouvelle vie. Bienvenue dans l'ère de la consommation de masse, qui révolutionne le mode de vie des Français. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. On était dans une psychologie très, très hédoniste où il s'agissait au fond de rattraper en matière de bien-être ce qu'on avait perdu ou laissé de côté pendant la guerre. Et les problèmes environnementaux, très objectivement, se posaient avec beaucoup moins d'acuité que ça n'était le cas, on va dire, à partir de la fin des années 70. Les prix des matières premières étaient bas et on n'évoquait pas la question des émissions de CO2 et on n'évoquait pas la question du réchauffement climatique. Donc tout était en place, si vous voulez, à la fois économiquement et psychologiquement, pour qu'on ait une consommation qui soit débridée. Un fait s'impose, la part de plus en plus grande prise par l'emballage perdu. 5% de l'ensemble des conditionnements en 1960, 30% aujourd'hui, 80% estime-t-on en 1980. Un phénomène irréversible, les ménagères en avaient assez de la consigne. Moi je suis pour le verre perdu, parce que je suis une femme qui travaille et j'ai pas le temps. Les moyens actuels d'évacuation ne sont pas adaptés à cette invasion, et leur destruction pose de nombreux problèmes. Dès les années 70, les effets négatifs de notre surconsommation commencent à soulever des questions, et notamment dans un rapport qui va faire date, rédigé par des industriels, des scientifiques et des économistes. Il y a eu un rapport au Club de Rome, le rapport Meadows en 1972, qui est célèbre dans les milieux spécialisés parce qu'il a
poser justement sur la table les contradictions entre cette croissance infinie et un monde fini, en quelque sorte. Il a annoncé qu'il allait falloir un jour que les États imposent des champs de contraintes qui pèsent sur nos modes de consommation, les modes de production et les priorités d'investissement. Donc ça date de 50 ans, mais on va dire que c'est relativement récent. Enfin, à l'échelle des sociétés humaines, c'est récent. Il est absolument anormal actuellement d'avoir des emballages plastiques qui sont jetés quand on sait que malgré tout, les réserves en carbone et en hydrocarbures susceptibles de donner des plastiques sont tout de même relativement limitées. Les changements d'habitude de consommation faisaient qu'on avait des besoins exponentiels pour traiter nos déchets. Et c'est-à-dire que des lieux de stockage, des centres d'enfouissement, qu'on avait au début imaginé pour durer 15-20 ans, on a très vite pris conscience que 5 à 10 ans après leur construction, ils allaient être pleins. Et donc, il fallait attaquer le mal à la racine et donc faire en sorte qu'on ait le moins de déchets à enfouir ou à incinérer. Si la sonnette d'alarme est tirée dès les années 70 sur nos modes de consommation, il faudra attendre une vingtaine d'années pour que cette question devienne un sujet grand public. En 1989, dans une émission politique diffusée à une heure de grande écoute, un des plus grands entrepreneurs français, Antoine Riboud, le patron de Danone, prononce le mot qui va tout changer. On n'a jamais utilisé autant d'emballages. Et pourquoi? Parce que l'emballage, c'est une commodité. Or, le monde d'aujourd'hui est fait de commodités. Les femmes travaillent, on ne peut pas vivre comme autrefois. Alors maintenant, il faut recycler. C'est-à-dire réutiliser le verre, le plastique. Recycler, le mot est lâché. 3 ans plus tard, c'est la naissance d'Éco-Emballage, devenue aujourd'hui Citeo. Éco-Emballage est une aventure parce que ce sont bien les entreprises qui, au lieu finalement d'attendre, de subir ou d'attendre qu'il y ait une taxe, on dit, bon, on va s'en occuper. Et comment on va s'en occuper? À chaque fois qu'on va mettre un produit emballé sur le marché, on va payer. Et on va payer pour qu'on puisse financer la gestion de ce déchet, le recyclage de son déchet. Et donc, les entreprises ont dépensé presque 12 milliards d'euros sur les 25 dernières années pour développer ces filières de recyclage et d'installer cette idée que ce que nous avons entre les mains sont des ressources qu'on ne doit pas les gaspiller. Et donc d'arriver à ce que l'éco-citoyenneté s'installe dans la société. Aujourd'hui, ça nous paraît quasiment évident, mais à l'époque, effectivement, ça ne l'était pas du tout. N'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. La naissance de Citeo consacre le principe de la responsabilité environnementale des entreprises. L'emballage ne doit plus être un déchet inutile. Il faut au contraire lui donner une seconde vie, le valoriser pour qu'il ne soit plus à usage unique. Le déchet qui n'était rien est en train de devenir de l'or, une matière première à part entière. L'aventure du recyclage commence. Les Français voient apparaître les bacs de tri et s'y initient à l'aide de campagnes et d'actions de sensibilisation. On va installer un bac bleu, donc qui va servir à collecter tous les emballages recyclables et à les recycler ensuite, donc pour faire de nouveaux produits avec. Il a fallu mettre en place tout ce réseau de logistique au niveau national pour que chacune des collectivités aille chercher dans chacun des foyers français ces emballages une fois qu'ils n'avaient plus d'utilité, qu'ils étaient considérés comme un déchet. Mais une fois qu'on les avait collectés, encore fallait-il pouvoir les traiter, c'est-à-dire les trier. Et donc il a fallu mettre en place partout sur le territoire national des centres de tri qui aujourd'hui sont encore là. En 30 ans, la France s'est dotée d'un arsenal de 170 centres de tri de plus en plus modernes. Nous sommes passés du tri manuel au début des années 90 à des procédés sophistiqués, capables de séparer les différents matériaux contenus dans les poubelles jaunes, avec en bout de chaîne la création de filières de recyclage de plus en plus nombreuses. Ce qui a permis de passer de 18% à moins de 70% d'emballages recyclés aujourd'hui. Qu'est-ce que permet ce recyclage ? D'abord, d'économiser du carbone. C'est 1,6 million de tonnes de carbone qui ne sont pas émis dans l'atmosphère grâce à l'activité de recyclage. C'est aussi une activité économique qui a créé des milliers d'emplois. On a fait des grands progrès. Le recyclage, tout ce qu'on a mis en place sur le recyclage, tous les matériaux qu'on a pu recycler, tous les matériaux auxquels on a donné une seconde vie, finalement, eh bien, c'est l'équivalent de matériaux qu'on n'a pas produits en allant puiser des ressources nouvelles sur la planète. Donc,
tous ces enjeux de recyclage ont un intérêt évidemment direct et très fort sur l'environnement. Peut-on se satisfaire de ce bilan ? D'une certaine manière, oui, car la mise en place des filières de recyclage a ouvert la voie à l'économie circulaire, un modèle économique qui vise à mettre fin au gaspillage de nos ressources. L'économie circulaire, ça consiste à mettre plus de recherche et développement, à construire des biens qui ont une durée de vie plus longue, qui consomment moins, qui sont réparables, et puis quand vraiment ils fonctionnent plus du tout, quand ils sont en fin de vie, bah, ils sont démontables, recyclables, et puis ce qui n'est pas recyclable peut être valorisé économiquement. Atteindre une économie totalement circulaire nécessite d'intégrer un maximum de matières recyclées dans nos produits et emballages. Or, cette démarche coûte encore cher et nécessite de nombreux investissements. Le passage de l'économie linéaire à l'économie circulaire, il a un coût. S'il avait aucun coût, il se serait fait tout seul par les mécanismes du marché et on serait déjà dans une économie circulaire à 100%. Or, ça n'est pas le cas, justement, parce qu'il y a un surcoût, parce que l'économie circulaire, ça demande des investissements technologiques qui sont très importants et qu'il est difficile parfois de répercuter sur le prix aux consommateurs. C'est bien la raison pour laquelle on a besoin de dispositifs qui sont des dispositifs publics. Alors aujourd'hui, les pouvoirs publics prennent en charge une partie du tri, prennent en charge une partie du recyclage, mais on a besoin d'avoir aussi des aides publiques à l'investissement des entreprises, hein, pour toutes celles qui investissent dans des technologies qui permettent d'utiliser de la matière recyclée. L'économie circulaire est en marche et nous permettra peut-être un jour de ne consommer que ce que nous rejetons. Afin de parvenir le plus vite possible à cette société durable, trois solutions sont actuellement mises en avant par l'Europe et la France. On les appelle les 3 R. Réduire, réemployer, recycler. Trois objectifs qui fondent l'avenir de nos modes de production et de consommation. Priorité numéro 1, s'attaquer aux quelques 30% d'emballages qui échappent encore au recyclage. Aujourd'hui, 100% de l'acier et 85% du verre sont recyclés, contre 64% pour le papier carton, 54,5% pour les bouteilles et les flacons plastiques, 48% pour l'aluminium et seulement 28% pour l'ensemble des emballages plastiques. Trier, recycler, c'est vital. Mais cela suffira-t-il à éradiquer la pollution plastique ? Pas sûr. Face à l'urgence écologique, la question de l'acceptabilité du système actuel de recyclage est posée. Pas assez utile pour certains. Prétexte à toujours plus de consommation pour d'autres. La polémique s'invite dans le débat public. Avec toutefois un point de vue partagé par tous, le besoin d'accélérer les performances de recyclage. Une société qui soit plus soutenable sur le long terme, elle nécessite d'abord de recycler au maximum. Accélérer le recyclage, est-ce encore possible ? Comment le faire ? Quelles sont les solutions envisagées ? Plusieurs pistes sont actuellement explorées. La première piste consiste à augmenter le taux de collecte des emballages. Cela revient à faire en sorte que chaque citoyen puisse plus facilement trier ses déchets, chez lui, mais aussi dans la rue. Le geste de tri aujourd'hui ne pose plus de questions pour les Français, c'est un geste qui est intégré dans le quotidien. Le tri des déchets fait partie des premières choses qui sont citées par les Français pour avoir un impact environnemental positif. Et c'est une véritable réussite. On a 89% des Français qui trient leurs emballages et leurs papiers, et sur ces 89%, 51% trient systématiquement. C'est une belle performance. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à transformer des personnes qui trient régulièrement en des personnes qui trient systématiquement. Donc tous les emballages dans toutes les situations, tous les papiers dans toutes les situations. Et aujourd'hui, c'est bien notre enjeu, c'est cet enjeu-là qu'on doit relever pour développer les performances du recyclage. En France, les taux de collecte de nos déchets sont scrutés par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui rend ses données publiques. Constat éloquent, 35% du contenu de nos poubelles d'ordures ménagères auraient leur place dans un bac de tri. Or, tout emballage non trié, c'est autant de matière non recyclée. Trier, ça permet de limiter le gaspillage de ressources naturelles. Ça permet aussi d'économiser de l'eau, de l'énergie pour transformer ces ressources naturelles en matériaux. Et ça permet également de limiter l'émission de gaz à effet de serre. D'où l'importance de bien mettre ces emballages dans la bonne poubelle. Ce qui semble plus facile à faire en zone rurale où les performances de tri sont deux fois supérieures à celles des villes. Vous avez des collectivités, c'est le cas de la mienne par exemple, qui sont au-delà de 90% de recyclage.
mais vous avez aussi des collectivités qui ne sont qu'à 50%. Dans les grandes villes, dans zones urbaines très denses, c'est plus compliqué que dans des zones plus rurales comme les nôtres, où les gens ont plus d'espace. Ils ont un garage, ils ont une cour, ils ont un jardin dans lequel ils peuvent avoir leurs différents bacs. Quand vous êtes dans un habitat très dense, en agglomération, dans une grande ville, dans un immeuble, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour les bacs. Et donc ça commence, y compris, à poser quelques difficultés. Pour améliorer le tri, les collectivités et Citeo sont parties d'un constat. Plus les modalités de tri sont compliquées, moins les citoyens sont incités à trier. Aujourd'hui, encore 3 Français sur 4 ont du mal à s'y retrouver, alors les consignes de tri ont été peu à peu simplifiées et harmonisées. On a simplifié le geste de tri dans une grande partie du territoire national, c'est pas terminé, c'est en cours, avec un message simple: tous les emballages, vous les mettez dans votre poubelle jaune. Et le fait d'avoir simplifié ce geste de tri, partout, chez moi ça a été fait, dans le Jovinien, depuis déjà plusieurs années, on a vu des croissances exponentielles de récupération des emballages. Parce que plus c'est simple pour les habitants, plus les habitants y adhèrent. L'objectif est bien de collecter de plus en plus d'emballages pour pouvoir trouver des solutions de recyclage pour tous ces nouveaux emballages, notamment les emballages en plastique. Donc on a besoin vraiment de capter plus d'emballages, de collecter plus, pour pouvoir travailler après sur les débouchés de cette nouvelle matière. Cette extension des consignes de tri concernera tout le territoire d'ici 2023. Enfin, il y a l'enjeu de la consommation nomade, c'est-à-dire des emballages qu'on consomme hors de chez soi et qui finissent dans des poubelles publiques, soit 300 000 tonnes de déchets par an. On se rend compte que vous pouvez avoir des concitoyens qui sont hyper, hyper à cheval sur le tri quand ils sont chez eux, mais qui n'ont pas tout à fait le même comportement quand ils sont dans la rue. Et que ceux-là même qui sont très attentifs à bien mettre dans la poubelle jaune ou dans l'autre poubelle quand ils sont chez eux, même quand ils ont des poubelles biflues dans la rue, c'est-à-dire une poubelle pour les ordures ménagères et une poubelle pour le tri, eh bien, ils sont beaucoup moins attentifs. Donc ça, c'est un grand combat pour nous en termes de communication, en expliquant aux habitants que ce qu'ils font très bien chez eux, eh bien, il va falloir maintenant le faire aussi très bien dehors. Dans la consommation nomade, finalement. Mais ça nécessite aussi que nous, on généralise, par exemple, ces poubelles biflues sur l'ensemble de nos trottoirs, dans tout l'espace public, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas, parce que ça, y compris parce que cela a un coût aussi. Et ce n'est pas évident, parce que vous imaginez bien que dans une ville où, effectivement, l'espace public est quelque chose de précieux, installer des bacs de tri à chaque coin de rue peut, effectivement, être des sujets assez complexes à traiter. Travailler pour développer le tri et le recyclage nécessite de penser aussi les usages et la ville autrement. Permettre à chaque citoyen de pouvoir trier systématiquement tous les emballages issus de sa consommation. Cela suppose d'inventer de nouvelles solutions, de faire encore évoluer les mentalités afin de recycler les 30% d'emballages encore non recyclés. Et pour atteindre cet objectif, il y a une autre condition à remplir. Augmenter très fortement le taux de recyclage des emballages plastiques, qui représentent encore aujourd'hui 58% des emballages que nous consommons. Sur ce parking de supermarché à Marseille, les consommateurs constatent l'omniprésence du plastique. Le café, le gruyère, le chocolat. Le plastique, c'est évidemment un sujet, en ce moment, c'est au centre un peu des préoccupations. Et c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple. Tout le plastique qui se retrouve dans la nature est absolument à bannir. C'est la priorité des priorités. En revanche, le plastique est là pour une bonne raison. C'est-à-dire qu'il apporte effectivement des fonctionnalités parfois supérieures à d'autres matériaux. Le plastique permet d'apporter la protection sanitaire des aliments que l'on consomme. Le plastique va permettre de garder, par exemple, une atmosphère sous azote, du steak haché, hein, qui fait qu'on va rallonger sa durée de conservation. On va lui mettre des propriétés barrières pour éviter qu'il y ait des échanges avec l'extérieur, d'oxygène par exemple, oxygène qui va contribuer évidemment à dégrader l'aliment qui est à l'intérieur. Donc il y a eu beaucoup de progrès de fait qui ont aussi contribué à avoir une meilleure hygiène globalement des populations et faire baisser les maladies, les contaminations et autres. Le plastique, c'est fantastique, mais il y a un mais, un gros mais. Ses effets négatifs sur l'environnement.
D'où l'urgence d'améliorer sa recyclabilité. Nous avons pris les engagements d'avoir 100% de plastique recyclé d'ici 2025. Cette promesse est-elle tenable ? Tout dépend des types de plastique. Pour la chercheuse Nathalie Gontard, on ne peut parler de recyclage du plastique à ce stade que lorsque ce dernier peut redevenir un emballage à la manière du verre, du carton, du métal. Pour elle, ce recyclage dit en boucle fermée n'existe aujourd'hui que pour nos bouteilles et flacons en PET et PEHD. Le meilleur recyclage, c'est le recyclage du PET qui consiste à décontaminer des bouteilles ou des barquettes en PET usagées et ensuite donc les retransformer. Mais ce traitement de décontamination entraîne une légère dégradation et c'est ce qui fait que le recyclage du PET n'a été évalué pour sa sécurité vis-à-vis du consommateur que sur un seul cycle. Hors bouteilles et flacons, quand le retour au contact alimentaire n'est pas permis, les plastiques sont transformés en d'autres produits, comme des cintres ou des tuyaux. Un recyclage dit en boucle ouverte, qui concerne la majorité des résines plastiques. On va transformer, par exemple, une bouteille, une barquette, en une autre matière, en remplaçant du bois, du métal, etc., par ce plastique dont on ne sait que faire. Donc, c'est plus une forme de stockage du déchet plastique qu'un vrai recyclage. C'est-à-dire que le plastique ne disparaît pas, il finira quand même en micro et nanoparticules dans notre environnement. Retenons que le plastique n'est pas une matière première comme les autres. Elle est beaucoup plus difficile à recycler. Pour certaines résines plastiques, c'est même encore impossible. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Si on savait vraiment recycler, on ne produirait plus de plastique vierge. Hein, on a actuellement accumulé plus de 9 milliards de tonnes de déchets plastiques dans notre environnement. On irait puiser dans ces réserves-là. Hein. Et ensuite, on les recyclerait, on les régénérerait, sauf que ça, on ne sait pas le faire. Ce qui n'empêche pas qu'il y a énormément de projets en cours hein, pour essayer de trouver un moyen justement de vraiment recycler ce plastique par voie thermique, par voie chimique, par voie enzymatique, par voie biologique. Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est pas du tout disponible à une échelle suffisante. Avec ce que l'on vient d'apprendre sur le plastique, on imagine facilement la pression mise sur les entreprises pour réaliser l'objectif de la loi anti-gaspillage votée en janvier 2020. À savoir, tendre vers 100% de plastique recyclé d'ici à 2025. Qu'en pense une grande entreprise comme Danone, grand producteur de bouteilles en plastique et de pots de yaourt ? Actuellement, quand on regarde notre portefeuille d'emballage chez Danone, nous sommes à 81% de notre emballage qui est recyclable ou réutilisable. Donc, il nous reste 19% à aller chercher quelque part d'ici 2025. Et en fait, pour cela, on a fait des annonces en ce début d'année, notamment, par exemple, la sortie du polystyrène pour le yaourt, ce qui nous permettra d'utiliser des plastiques alternatifs, mais aussi d'aller au-delà du plastique, par exemple, d'utiliser des emballages en papier ou même de sortir de l'emballage à usage unique. On collabore beaucoup avec Citeo pour mettre en place des nouvelles filières pour les emballages qui ne sont pas recyclés aujourd'hui, ce qui nous permettrait d'atteindre 100% en 2025. À ce stade, nous avons compris que le tri et le recyclage seront indispensables pour atteindre une économie circulaire. Mais la situation actuelle ne permet pas encore de tout trier ni de tout recycler. Or, face à l'urgence environnementale, il faut aller plus loin pour protéger nos ressources et donc réduire notre production d'emballage. L'éco-conception et le réemploi font partie de ces solutions de réduction qui séduisent de plus en plus d'industriels et de consommateurs. L'allègement, c'est vraiment un des premiers leviers d'éco-conception qu'on peut mettre en place. Et bien évidemment, un allègement, c'est non seulement moins de matière, donc avec des bénéfices sur l'extraction des ressources, la consommation de CO2, etc., mais c'est également évidemment un gain économique pour l'entreprise puisqu'elle va moins acheter de matières premières. Effectivement, on voit qu'il y a certains emballages un peu phares, hein, comme les bouteilles d'eau par exemple, dont le poids a été réduit de plus de 40% en une décennie ou un peu plus d'une décennie. Pour réduire l'impact environnemental d'un emballage, l'éco-conception se fonde sur l'analyse de son cycle de vie, c'est-à-dire la prise en compte de son impact environnemental lors de toutes les étapes de sa vie. Combien de quantités de matière et d'énergie sont nécessaires à sa fabrication, son transport, sa distribution, son utilisation puis son élimination. Si on compare un sac en papier avec un sac en plastique, on va demander beaucoup moins d'émissions de CO2 lors de la fabrication du papier, d'un kilo de papier, que pour le plastique. En revanche, dès lors qu'on va se poser la question de la fonctionnalité du sac, c'est-à-dire moi je veux que mon sac puisse contenir un kilo de produit, on va devoir mettre par exemple 4 fois, 5 fois plus de matière papier que de matière plastique.
Et donc là, on vient en fait inverser l'impact environnemental, si on regarde l'indicateur CO2 par exemple, qui va devenir d'un coup plus bénéfique pour le plastique que pour le papier. Et en fait, c'est ça l'éco-conception, et c'est le rôle des équipes éco-conception, c'est justement d'aider les entreprises à faire le bon choix dans leur cas particulier, pour leur cas de figure, pour leurs produits, pour leurs emballages, et toute leur chaîne de valeur à elles, pour être justement le plus proche de la réalité possible et de faire la meilleure recommandation sur cette solution qui est la plus adéquate. C'est vrai qu'il y a certaines démarches d'éco-conception, de transformation qui peuvent induire des coûts, c'est-à-dire des investissements nouveaux, parce que quand on fait un produit à un emballage qui est complètement différent, quand on fait une bonbonne d'eau de 8 litres, on le fait différemment que pour des bouteilles de 50 centilitres. Mais ce sont des investissements en fait, qui sont aussi demandés par le consommateur. Le consommateur devient exigeant, donc il y a des consommateurs qu'on veut aller chercher et qui plébiscitent nos marques parce qu'il y a un engagement de leur marque sur ces critères environnementaux. Aujourd'hui, c'est fondamental. Plus vous achetez des produits éco-conçus, plus les entreprises sont donc incitées à en produire. Avec le réemploi, un changement dans nos modes de distribution est en train de se dessiner. Les produits sont achetés dans des bocaux ou emballages réutilisables, puis sont ramenés par les consommateurs au magasin et acheminés vers une station de lavage. Ils sont remplis à nouveau et remis en rayon. Une solution séduisante en matière de réduction, à condition qu'elle s'opère dans une zone géographique limitée. Le réemploi est amené à se développer, car la France s'est promis d'atteindre 10% d'emballages réemployés en 2027. Recyclage, éco-conception, consigne ou emballage réemployable, les solutions se multiplient pour tendre vers le zéro gaspillage, dans le but de contenir les effets néfastes de nos modes de consommation. Mais une question demeure. Est-ce suffisant pour préserver notre planète ? On a tendance à opposer les solutions qui aujourd'hui s'ouvrent à nous pour limiter l'impact environnemental des emballages et des papiers, en opposant le recyclage au réemploi ou à la réduction à la source. Alors que ces solutions sont complémentaires. Le principal danger, c'est finalement d'attaquer le bien fondé de ce geste de tri quotidien. Et c'est ça qui, aujourd'hui, nous pose problème. Il ne s'agit pas de défendre le recyclage par-dessus tout, il ne s'agit pas de nier qu'on puisse encore faire progresser les performances. Il s'agit surtout de dire « nous pouvons mieux faire, mais continuons déjà dans la voie que nous avons tracée ». La deuxième critique qu'on entend aussi, c'est le fait qu'on fait reposer aux consommateurs toute la responsabilité de l'impact environnemental de la consommation, ce qui est faux. Les entreprises, elles agissent, et elles agissent depuis même la création du dispositif, pour réduire les emballages à la source, pour améliorer leur recyclabilité, pour intégrer le maximum de matières recyclées dans les circuits de production. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc ça, c'est l'objectif pour nous, pour tout le monde, de tendre vers le zéro déchet. Mais le zéro déchet, il n'est pas possible demain matin, hein, parce que ça interroge... Beaucoup d'acteurs. Et c'est vrai que la société vers laquelle il faudrait tendre, c'est une société dans laquelle, en tout cas, une meilleure gestion de ce qu'on consomme et de ce qu'on rejette vise plutôt à consommer quand ça a vraiment de la valeur pour nous, mais pas surconsommer, pas multiplier des choses qu'on a déjà, etc. Donc ne pas se complexer sur rejeter des déchets, à condition que tout ce qu'on rejette, ou que le plus possible de ce qu'on rejette, soit clairement destiné au recyclage et dans des conditions qui permettent le recyclage. Je pense qu'on prend la bonne direction, en tout cas les directions qui ont été données, que ce soit dans la loi de 2015 ou dans la loi AGEC, sont les bonnes. Et c'est les complémentarités qui font qu'on arrivera à quelque chose. Aujourd'hui, on a une thématique sur articulation, recyclage, réemploi. Et je crois que les outils qu'on possède et dont on a à disposition aujourd'hui nous permettent de faire des choses. Un impact carbone moindre, un impact environnemental moindre, il faut poursuivre cette ambition, et c'est possible. Pour répondre aux enjeux écologiques, les plus fervents défenseurs de l'environnement prônent la décroissance et le zéro déchet. Faut-il aller plus loin et arrêter de consommer ? Cette question nous interroge sur notre façon de vivre, de concevoir notre avenir. La décroissance, produire moins, s'appauvrir tous et consommer moins, ce n'est pas une alternative. Ça n'existe pas, en fait. Ça peut exister dans certains écrits philosophiques, mais dans la réalité, ça n'existera pas. Vous ne pourrez jamais convaincre une partie de nos concitoyens, surtout aujourd'hui où les souffrances sociales sont grandes, qu'ils ont déjà trop.
C'est simplement pas possible. Donc comment est-ce qu'on concilie le fait qu'on a besoin de croissance économique et de progrès social alors même que les ressources, certaines ressources sont finies? Ben, ça passe par l'économie circulaire. C'est tout un mode de production qui permet de continuer, dans un monde contraint, de faire de la croissance économique. Le débat est loin d'être tranché. Mais pourquoi opposer des solutions qui peuvent se compléter au regard de l'enjeu gigantesque? Limiter au maximum l'extraction de nos ressources naturelles pour continuer à consommer. Pour atteindre cet objectif, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. L'enjeu pour Citeo, ça s'appelle de l'éco-conception et la création de filières de recyclage, de façon à ce que sur l'ensemble des matériaux qu'on utilise en matière de recyclage, on ait 100% de solutions. Il y a une vraie volonté publique en marche, à la fois au niveau des citoyens, à la fois au niveau des professionnels, des industriels, des chercheurs, parce qu'il y a quand même énormément de choses qui sont aussi en route et qui sont en train de se préparer dans nos marmites, hein. Mais ne rêvez pas, hein, il n'y aura jamais aucune solution miracle. Chacune apportera sa toute petite contribution. Il faut donc toutes les soutenir, les aider, les protéger pour les amener jusqu'à maturité. Et ça, c'est vraiment très, très important. Ne baissons pas les bras. Éco-conception, réemploi, recyclage, quels que soient les moyens que chacun souhaite utiliser pour réduire l'impact de sa consommation, tous partagent un même objectif: préserver nos ressources et notre planète. C'est vraiment important, donc voilà. Bon, il y a une interrogation écrite. Donc j'espère que vous utilisez tous la poubelle jaune, que vous avez bien repéré la poubelle jaune, parce que finalement beaucoup de choses ont été traduites dans ce film, mais finalement c'est un travail éco-citoyen qu'on doit faire tous les jours. Voilà, déjà s'apprendre à se juger soi-même et donc apprendre à utiliser faire les bons gestes. Voilà. Alors je vais essayer de vous réveiller quand même parce que là vous êtes un petit peu endormi, n'est-ce pas? Et oh, un petit peu, quoi, voilà. En tout cas, vous avez fait un effort fabuleux pour venir, malgré les restrictions, restrictions de carburant, encore un problème. Bon, nous, ça faisait 3 ans qu'on ne vous avait pas vu, donc on commençait à s'ennuyer. Donc voilà. Alors, ici, il y a une tradition, c'est présenter un petit peu des choses nouvelles, des choses qui ont du poids. Ça va être le reste, la seconde partie de la présentation. Donc, on aime bien les jeunes pousses, les jeunes. Alors, il y a un petit jeune que j'ai repéré, qui a eu la gentillesse de venir. Il a commencé ici, je peux dire ça. Hein. Donc, je vais présenter le professeur Adnan Al-Bakri, donc, qui a commencé une start-up et donc qui a bouleversé, le monde du suivi médical. Parce que, donc, il a créé une petite carte où on peut mettre, toutes les données médicales de chaque patient. Alors, il a essayé de le vendre en France, il n'a pas réussi, mais par contre, il est en train de l'exploser littéralement à l'étranger, à l'extérieur. Et puis, il a commencé petit, et donc, comme tous les entrepreneurs, il a grandi. Et donc, là, il a quand même fait une levée de fonds de 40 millions de dollars, c'est ça, hein, pour reprendre ReLife. Donc, voilà. Donc, ça, il a fait ça en très peu de temps. Il est venu ici, il a commencé ici gentiment. Enfin, on l'a un petit peu aidé en termes de communication. Mais je voudrais qu'il vienne dire un petit peu où tu en es. Alors, je vous demande d'accueillir le professeur Anna El-Bakri. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonsoir. J'ai 3 messages aujourd'hui que j'aimerais faire passer. Le premier message, c'est un hommage particulier à Jean-Michel et à Damien, parce qu'il est vrai que vous étiez les premiers à me faire confiance. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais juste une idée. Je crois que je venais à peine de créer l'entreprise, et puis je ne sais plus comment on s'est croisés, mais Jean-Michel m'avait dit « Viens raconter ton histoire », qui était d'abord une histoire aussi personnelle, depuis le Liban, vers la France,
Et puis la médecine, puis la création de l'entreprise, puis la recherche sur l'intelligence artificielle et ma volonté de résoudre la problématique de la communication médicale qui était, comme vous savez, très enfermée. Le monde médical fonctionne en silo et il m'avait dit « Viens, raconte tout ça » et je suis venu sur cette scène. C'était vraiment au tout début. J'avais levé zéro argent, on venait de commencer, j'avais juste une idée, j'ai raconté l'idée ici, il y avait, la salle était pleine, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et puis suite à cela, j'ai fait appel aussi à tous ceux qui étaient là, et c'était vraiment extrêmement accélérateur, c'était même ce qui m'a propulsé. Et je te dois ça, je vous dois ça, je vous remercie, puisque juste après, on avait réussi notre première levée de fonds, première augmentation de capital. Et puis on a réussi donc à développer la première partie de l'entreprise. Donc j'avais ce message vraiment et je vous remercie et je crois que des vrais entrepreneurs comme vous, il en faut parce que voilà, vous avez vu en moi, en tout cas à mon petit niveau, le potentiel et puis effectivement c'était extrêmement utile. Ça c'est le premier message que je voulais vous dire. Le deuxième message, je voulais effectivement parler un petit peu de où est-ce qu'on en est rapidement au sein de l'entreprise. Je l'ai créé il y a 5 ans et on avait besoin au départ de 5 années de recherche et de développement pour arriver à développer la technologie qui devait résoudre et qui aujourd'hui a réussi à résoudre un problème majeur. Comme je vous disais, il y a tellement de logiciels, il y a tellement de systèmes informatiques différents dans le monde médical que tout ce monde ne communique pas. L'infirmière à domicile a son système, la pharmacie a son système, l'hôpital a un système. Parfois, au sein même de l'hôpital, dans différents étages, on utilise des systèmes différents. Ce monde ne communique pas. Et moi, ma vision, après avoir fait de la recherche au CNRS sur la prédiction du cancer du rein, on avait réussi à prédire le cancer du rein avec l'intelligence artificielle, mais il nous a fallu plusieurs années récupérer les données dans les archives, les mettre dans des tableaux Excel, c'était archaïque. Et ma vision, c'était de dire le monde médical ne pourra pas entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle si on n'avait pas accès, en tout cas si le patient n'avait pas accès aux informations médicales et si on n'arrivait pas à les structurer, à les connecter. Et donc, c'était l'idée folle et incroyable au départ. Et beaucoup m'avaient dit que c'était impossible, en particulier en France. En partie, ils n'avaient pas tort. Après 5 ans, je peux quand même le dire. C'est un vrai parcours du combattant. Ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Mais voilà, on avait besoin de 5 millions d'euros au début, sur 5 ans, et d'une trentaine de personnes pour développer la technologie. C'est ce qu'on avait réalisé. Grâce à vous, on a réussi à lever ces 5 millions. On a avancé. On a fini en 2021 la technologie avec toutes les validations, les certifications, les tests et les réitérations. Et on avait même réussi à valider notre modèle économique en faisant les proof of concept, donc les tests avec des clients payants. Et c'est là où, première difficulté, il faut quand même que je le raconte, parce qu'encore une fois, entrepreneur, c'est pas juste des réussites, c'est aussi souvent des échecs, et on n'ose pas souvent en parler, mais moi je le dis parce que voilà, on se trompe, et c'est comme ça qu'on rebondit, et c'est comme ça qu'on change de stratégie aussi. Et donc après, on avait besoin de passer à la fameuse série A, donc à l'accélération, et étant très ambitieux, je voulais un petit peu la faire à la Doctolib, donc je me suis dit... on va accélérer maintenant qu'on a tout ce qu'il faut. Et puis, je tombe sur un fonds d'investissement américain, et c'est la première fois que je le raconte, je te l'avais dit en privé, je ne l'ai jamais dit encore en public, et je crois, je ne sais même plus si j'ai le droit juridiquement de le dire, mais aujourd'hui, je vais le dire, c'est que ben, on a fait entrer un fonds d'investissement américain qui s'est engagé effectivement sur ce que vous avez vu, les 40 millions d'euros. Mais, malheureusement, ces 40 millions... En fait, on n'en a vu qu'une infime partie, puisque ce fonds d'investissement n'a pas respecté ses engagements et nous a bloqués juridiquement, capitalistiquement. Et puis, il voulait voilà, le beurre et l'argent du beurre, il voulait la gouvernance, il voulait tout. Bref, c'est ce qui m'avait poussé. Alors, au départ, on était sur une stratégie d'accélération française avec une commercialisation en France, une accélération avec un business plan vraiment ambitieux. Et puis, quand il y a eu cette difficulté-là, j'ai changé complètement de stratégie. Et puis, le message que je voulais passer, c'est que dans les crises, il y a toujours des opportunités, finalement. Et puis, quand on a changé de stratégie, c'était de dire, bon, ben, on n'a pas les moyens, puisque j'étais obligé de réduire les charges et de
retravailler tout le modèle. Et puis finalement, on s'est dit, bon, ben, on va aller chercher des partenaires stratégiques de commercialisation qui sont donc pas forcément qu'en France. Et puis on est allé chercher donc des sociétés, des groupes qui acceptaient donc qu'on leur donne la licence technologique, puisque ça, c'est l'avantage qu'on avait, c'était, voilà, on avait la technologie, et donc on a signé des partenariats en Europe, au Canada, en Afrique, maintenant au Moyen-Orient aussi, avec des groupes qui récupèrent la licence. Certes, on perdait une marge, mais je ne payais pas les commerciaux, je ne payais rien, à part leur mettre sur un plateau en or cette technologie. Et puis, on a changé de modèle, au lieu d'avoir une vision de rentabilité sur plusieurs années, c'est le modèle un petit peu avant cette crise de la plupart des startups, eh bien, on s'est dit, maintenant, on réduit nos charges et on vise une rentabilité en 2023, et c'est le chemin actuel. Et on est en train d'essayer, effectivement, de sortir aussi le fonds d'investissement américain pour pouvoir y arriver. Donc voilà, ça, c'était le deuxième message. Et puis, troisième message, et je finis là-dessus, c'est le Liban, et en particulier Tripoli. Je voulais quand même en parler, puisque depuis... quelques semaines, je m'engage aussi pour ma ville d'origine, puisque je suis d'origine libanaise, aujourd'hui franco-libanais, mais je suis né à Tripoli. Et Tripoli, je ne sais pas si vous connaissez, mais aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus pauvres, je crois, au monde. Il y a une crise mondiale, certes, mais il y a une crise aussi libanaise qui est très, très forte. Et le seuil de pauvreté, par exemple, à Tripoli, a dépassé 80% de la population. Et donc, il y a un vrai problème. Et donc, je m'engage aujourd'hui aussi sur la scolarisation des enfants, parce qu'il y a, et je vais peut-être vous choquer, mais il y a une vraie déscolarisation, parfois pour 10 euros. Et plein de gens, depuis que je commence à être un petit peu médiatisé là-bas, il y a plein de gens et des familles qui viennent me voir en me disant « Il me manque 10 euros, j'ai sorti mon enfant de l'école. » Et ça, ce n'est pas entendable. Parce que justement, c'est cette génération qu'il faut préserver pour l'avenir de... pas uniquement du Liban, mais aussi de toute la planète, je crois. Et donc, je m'engage pour la scolarisation des enfants à Tripoli. Et là, aujourd'hui, j'en profite pour faire appel à vous. Alors, je fais avec mes moyens modestes. Mais voilà, si vous avez des idées, si vous avez la possibilité, sachez qu'avec 10 ou 20 euros, on scolarise un enfant pendant un an à Tripoli. Voilà. Donc, c'est un engagement qui me tient à cœur. Et voilà, vous pouvez me contacter sur mon site. C'est pour ça que j'avais demandé à Damien de le mettre. Je ne sais pas s'il s'affiche là, non. Donc, c'est adnanelbakri.com. Il y a mon numéro. Il y a tous les moyens possibles sur LinkedIn, etc. pour me contacter. Si vous avez des idées, si vous avez n'importe quel moyen de nous aider, d'aider à Tripoli, n'hésitez pas. Et puis... Le dernier message, c'est effectivement ce livre que j'ai publié, parce que je pense que pour protéger... on n'était pas d'accord avec moi quand j'ai voulu publier les travaux, mais j'ai tout publié, j'ai publié nos recherches, et donc c'est accessible. Et je crois que c'est le meilleur moyen de protéger, finalement, c'est de publier, c'est d'avoir des droits d'auteur. Et donc n'hésitez pas si vous voulez savoir, en tout cas en savoir plus. Et puis si parmi vous, il y a des gens... qui peuvent être aussi des distributeurs, qui sont intéressés par notre technologie. Pareil, n'hésitez pas à me contacter. On est vraiment aujourd'hui dans une approche de commercialisation. Et puis, enfin, j'envoie un message de courage, d'amour et d'espoir à Ren et Lila, que j'aime beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très ému, donc oui. Je remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, tu nous as vraiment bien touchés. On est vraiment heureux de tout ce cheminement. Et puis, vraiment, tu continues donc à œuvrer pour le bien. Mais, merci Jean-Michel. Je te remercie pour... Bravo pour tout ce que vous faites. Être venu. Merci. Alors, après cet exemple un peu fabuleux, on va commencer à passer la main donc à... d'autres jeunes qui arrivent. Donc, Dounia, je voudrais que tu viennes nous présenter l'IXO. Donc, naturellement, on a parlé d'un sujet assez particulier donc, qui concerne le tri. Naturellement, il y a de l'intelligence artificielle dedans. Et donc, c'est la thématique que je te laisse te présenter et puis présenter l'IXO, qui est une entreprise maintenant qui a pignon sur rue en France, hein, d'après l'échange qu'on a eu. On commence. Vous commencez, bah oui, vous commencez petit, mais vous finirez grand. Et donc, de ce fait, voilà, quand tu vois les exemples qu'on a eus ici, tout est ouvert.
Voilà, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de me recevoir ce soir. Donc, effectivement, je suis là pour vous présenter la start-up du nom de Lixo, qui a été créée il y a de cela 3 ans, avec la vision, l'objectif de permettre en fait la production de matières premières recyclées, qui soient aussi compétitives que les matières premières vierges. Alors, ça peut paraître étonnant, mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez une bouteille d'eau qui est fabriquée à partir de matières premières recyclées, elle a sûrement coûté 20% plus cher qu'une bouteille d'eau qui aurait été faite à partir de matières premières vierges. Alors, c'est particulièrement choquant, d'autant plus lorsqu'on sait que finalement aujourd'hui on est face à une véritable raréfaction de nos ressources, de nos matières premières. La crise durable qui s'est installée en ce qui concerne le marché de l'approvisionnement est là et elle atteste. Et en parallèle de ça, ce à quoi on assiste, c'est une véritable explosion des volumes de déchets produits. Donc, pour vous donner un petit chiffre, selon la banque mondiale, les volumes de déchets devraient augmenter de 70% d'ici 2025, ce qui est absolument phénoménal. Et donc, à la conjonction de ces deux chiffres, finalement, de ces deux enjeux, la question qui se pose, c'est celle de la circularité des ressources. On a très bien raconté le documentaire tout à l'heure, sans vouloir me répéter, mais c'est l'enjeu d'aller récupérer les matières qu'on a déjà extraites, de manière à non seulement préserver notre environnement, mais aussi, finalement, pérenniser notre industrie et notre économie. Parce que finalement, ces ressources-là... Par exemple, pour vous donner juste une petite anecdote, le volume des métaux rares aujourd'hui qui est en circulation à la surface de la Terre est supérieur à celui qui est encore présent sous Terre. Voilà. Et pour faire un petit focus France rapide sur la question de la gestion des déchets, eh bien, il y a eu un rapport de la Cour des comptes qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui stipulait de manière extrêmement formelle que, en fait, aujourd'hui, les politiques de gestion de déchets en France, qui permettent donc cette circularité de ressources, sont extrêmement ambitieuses, mais échouent presque systématiquement à atteindre leurs objectifs. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'en fait, on ne dispose pas des données suffisantes et nécessaires pour bien orienter les actions. On a les bonnes idées, on a les bons objectifs, on sait où aller, mais on manque... Les informations qui permettent d'orienter l'action dans le bon sens, en fait, ne sont pas présentes. Elles sont diffuses et arrivent souvent bien trop tard. Et donc, c'est la mission que s'est donnée Lixo, finalement. C'est la mission qu'on s'est donnée, c'est de créer des solutions qui permettent, justement, de fournir à l'ensemble des acteurs de l'industrie de la gestion des déchets les bonnes informations et au bon moment pour prendre les bonnes décisions et ainsi commencer à recycler plus et mieux. Il y a aussi un enjeu de qualité. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Nous, on bosse avec donc, tous les acteurs de l'industrie de la gestion des déchets, les collecteurs, les centres de tri, les recycleurs. Et la solution, donc, je pense qu'on a dû passer la slide à un moment, mais en gros, elle se constitue de 3 grosses briques. Il y a une caméra qui prend en photo des images, les images des déchets. Et ensuite, il y a une intelligence artificielle, des modèles d'intelligence artificielle qui permet d'identifier tous les types de déchets qui passent sous cette caméra-là. Et ce, en continu et en temps réel. Et à partir de là, à partir de toutes ces données qu'on arrive à récolter, eh bien on les agrège sous forme d'indicateurs de performance qu'on met à la disposition des utilisateurs sur une plateforme. Et donc, qu'est-ce que ça permet concrètement à nos clients de faire? Donc, par exemple, les collecteurs de déchets, donc c'est vraiment le camion qui passe en bas de chez vous et qui récolte les bacs de nos déchets. Donc, en fait, nous, on a une caméra qui est installée à l'arrière et qui permet de savoir exactement ce qu'il y a dans chaque bac. On analyse ça et ensuite, on en fait une carte qui dit exactement comment les déchets ont été triés. Donc, c'est véritable. En fait, on permet de savoir exactement comment trie chacun. Et ça, c'est quelque chose que les collecteurs de déchets ne savaient pas avant. Et donc là, ils sont capables de savoir bac par bac, rue par rue, quartier par quartier, quelle est la qualité du tri qui est en place. Ils sont capables aussi de mieux voir où sont les déchets valorisables pour bien les orienter vers les bonnes filières. Et aussi de mettre en place finalement des campagnes de sensibilisation très précises, où ils savent exactement quoi dire à qui. Les centres de tri, bon, vous avez vu, c'est des grosses usines avec plein de machines qui permettent de séparer les différents déchets par forme, par taille, par matériau. Et nous, ce qu'on permet de faire, c'est qu'en fait, on peut être installé à n'importe quel endroit dans ces centres de tri pour contrôler la qualité du tri, s'assurer que ces machines-là, elles font bien leur travail. Concrètement, aujourd'hui, s'il y a un dysfonctionnement, le responsable de l'usine va mettre 1 à 4 heures à repérer ce problème. Nous, avec nos dispositifs, on peut repérer le problème en temps réel, réparer cela. Et aussi, finalement, il y a l'enjeu de garantir la qualité du tri aux recycleurs. Parce que les recycleurs vont racheter ces matériaux. C'est eux qui achètent ces matériaux pour ensuite les recycler. Et parfois, les recycleurs, aujourd'hui, ne sont pas contents parce qu'ils reçoivent des matériaux qui ne sont pas assez bien triés. Alors, soit ils baissent le prix d'achat, soit ils renvoient carrément le camion au centre de tri, ce qui n'est pas top pour l'empreinte carbone.
Mais du coup, nous, en analysant de manière exhaustive, en fait, toute la chaîne de tri, on est capable de garantir un certain taux de pureté. Du coup, le centre de tri peut vendre ses matériaux à un bon prix. Le recycleur est content parce qu'il en a pour son argent. Et aussi, donc, le recycleur, on l'aide pour contrôler aussi, si vous voulez, la composition de ses recettes pour recycler les matériaux. Parce qu'un recycleur, il ne va pas recycler n'importe quel type de plastique pour en produire de nouveau. Il y a des règles, il y a des réglementations. Il doit respecter donc certains pourcentages. Et nous, avec notre caméra, ben, même chose, en identifiant déchet par déchet, on est capable de lui garantir qu'il va faire ça dans les règles de l'art. Ouais, donc je ne vais pas vous embêter plus longtemps. En gros, pour vous dire l'Ixon en quelques mots, finalement, l'essence, l'ADN un peu de la manière dont on voulait travailler, c'est de concevoir des solutions qui soient intelligentes et extrêmement pragmatiques. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que on achète une caméra qui permet un accès à un software, qu'on installe sur n'importe quelle installation, il n'y a pas besoin de révolution en soi industrielle, et ça permet une transformation finalement numérique immédiate des modèles d'entreprise. Et une transformation numérique pour bien sûr avoir des gains d'efficacité rapides et immédiats, ce qui est essentiel étant donné aujourd'hui l'urgence de l'enjeu. Là, c'est un peu pour frimer sur ce qu'on a fait jusqu'ici. Mais en gros, donc voilà, aujourd'hui, notre équipe compte plus de 22 collaborateurs. On est très contents, on est en phase d'expansion commerciale. Voilà, on a prouvé que notre solution était utile. Et aujourd'hui, il faut qu'on la diffuse au plus grand nombre. On a été d'ailleurs identifié comme une des green tech, une des espoirs green tech français cette année. Donc on est dans le programme Green 20. Et parmi nos clients, on compte déjà des acteurs historiques comme Veolia Suez, qui sont des véritables soutiens qui nous servent véritablement de tremplin pour nous développer aujourd'hui. Et puis bien sûr, Citeo, partenaire clé depuis le début et qui nous permet aussi de développer des projets extrêmement innovants au quotidien. Voilà, et on vous remercie aussi pour cela. Merci. Merci beaucoup, Dounia. Bravo pour cette réalisation. Et puis finalement, vous voyez, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Voilà, surtout en ce moment, c'est un jeu de mots un peu barbare. Voilà. Merci. Je laisse te raccompagner. Merci. Merci beaucoup. Alors, dans la même direction, je vais demander donc à Frédéric de venir se présenter dans TerraVox, qui est aussi une start-up. Tu vas nous le présenter ? Oui. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci Jean-Michel, merci Sabine pour l'invitation, merci à toute l'équipe de Citeo pour l'invitation. Oui, donc moi je vais vous parler de TerraVox ce soir, donc une jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire qui est spécialisée dans la mobilisation des publics en faveur du tri et de la réduction des déchets. Une entreprise qui a un peu plus de 4 ans, qui intervient essentiellement en Île-de-France, mais aussi un peu partout en France avec... un partenariat avec l'association d'éducation populaire IGREN. Je ne sais pas qui passe les slides, ou si c'est... Il faut lever la main. Oui, nous, notre grand combat, c'est le double gaspillage auquel on est confronté, surtout dans les grandes villes, comme vous l'avez vu dans le documentaire tout à l'heure, et surtout dans les zones urbaines denses. Et aujourd'hui, je profite qu'on est dans le 93 pour partager avec vous ce chiffre. C'est un des départements, je crois, qui a le plus faible taux de recyclage en France. Donc voilà, j'espère que je n'offense personne ce soir. En disant cela, je crois qu'il y a de nos collègues de Paris Terre d'Envol qui sont ici aussi. Mais on est tous embarqués dans ce même combat, donc il n'y a pas de souci. C'est aussi un des territoires qui a le taux de chômage le plus élevé et un des taux de pauvreté les plus élevés. Et c'est aussi le territoire qui a le taux de jeunes le plus élevé aussi. Donc en fait, c'est frappant de voir à quel point on a un gaspillage à la fois des déchets, des matières produites par nos villes et des talents. Et c'est en ça, pour nous, que l'économie circulaire est un véritable défi et du coup une véritable opportunité.
Et nous, notre mission chez TerraVox, c'est d'en faire une opportunité pour tous. C'est d'en faire un tout sauf un slogan hors sol, tout sauf un slogan creux. C'est de montrer en quoi ça peut avoir un impact concret sur le quotidien des gens. Et donc la manière dont ça peut avoir un impact concret sur le quotidien, c'est de montrer en quoi le sujet des déchets est un levier d'amélioration du cadre de vie, est un levier d'inclusion dans l'emploi, est un levier de préservation des ressources aussi, évidemment. Je veux bien que tu passes là. Nous, ce qu'on a constaté quand on est sollicité par les collectivités locales et les bailleurs qui nous appellent pour intervenir dans des zones justement où les performances de tri sont particulièrement faibles, c'est qu'il y a toujours à la base un problème lié à l'attachement, à la manière dont on vit la ville, à l'attachement au lieu de vie. Et tout à l'heure dans le reportage, il était mentionné le fait que, en fait, quand on vivait dans une maison avec beaucoup d'espace, c'était pas pareil que quand on vivait dans un petit appartement avec peu d'espace. Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde les performances de tri sur les déchets, on se rend compte d'un truc un peu marrant, qui est que les retraités sont ceux qui trient le plus. C'est les statistiques de Citéo. Alors que les jeunes sont ceux qui trient le moins. Et en fait, concrètement, la raison, c'est que les retraités, ils sont très attachés à leur lieu de vie, parce qu'ils habitent chez eux depuis très longtemps. Alors que les jeunes, ils changent d'appart en appart, dans des petits apparts, et du coup, ils ne sont pas attachés à leur lieu de vie, et c'est ce qui fait qu'en fait, les jeunes trient très peu. Et c'est ce qui fait que quand on est en dehors de chez soi, on trie très peu aussi. C'est ce qui a été dit dans le reportage tout à l'heure. Donc nous, on s'intéresse beaucoup à ça. Chez TerraVox, on a un doctorant en sciences comportementales qui fait sa thèse sur les liens entre attachement au lieu et gestion des déchets. Parce que, comme je disais, il y a vraiment un parallèle entre la manière dont on gère nos déchets et la manière dont on vit la ville. Les zones où il y a les plus gros problèmes de gestion des déchets sont aussi les zones où on a des difficultés pour s'approprier son cadre de vie. La première raison, souvent, ça peut être l'état de la résidence, ça peut être les équipements. D'ailleurs, la première raison, il faut le rappeler, ça reste quand même les équipements de collecte. C'est un petit message pour Citéo aussi et pour les collectivités, c'est que les lieux où le tri est le plus faible sont aussi les lieux où les équipements de collecte sont les plus dégradés. Ça va de soi. Mais il y a d'autres facteurs qui rencontrent, et notamment le lien social dans la résidence, les relations entre habitants, les relations avec le gardien, les relations avec le bailleur, et puis son inclusion, de manière générale, dans la société, dans l'emploi. Ça joue dans la manière dont on vit sa résidence. Et en fait, ça a des conséquences sur le geste de tri, parce qu'en fait, le geste de tri est un mécanisme de protection du lieu qu'on met en place. On trie plus parce qu'on veut prendre soin de chez soi que pour nos croyances environnementales. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Tout ça pour dire que en fait, les déchets, c'est un formidable sujet, parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde jette des déchets. On jette tous 1,6 kg de déchets par jour, et pour arriver pas loin de 600 kg de déchets, comme tu disais Jean-Michel tout à l'heure. C'est un sujet qui nous concerne tous. Même si c'est un sujet tabou, ça nous concerne quand même tous. Et du coup, c'est un sujet qui peut tous nous rendre acteurs. Et notre parti pris, c'est d'accompagner les habitants pour les rendre acteurs de la gestion des déchets et surtout de l'amélioration du cadre de vie. Et c'est pour ça qu'on fait la promotion chez TerraVox des solutions qui sont à la fois circulaires et solidaires, comme un composteur de quartier, par exemple, comme une ressourcerie, comme une bricothèque, comme un système de tri qui permet aussi de mieux gérer la propreté de la résidence. Pour nous, c'est le tri à ce pouvoir de rendre acteur. De mieux prendre soin de sa résidence, de se connecter aux autres, parce qu'un composteur de quartier, c'est un prétexte pour faire du lien avec les autres. Et ça a le pouvoir aussi de s'insérer dans l'emploi. On l'a dit, l'économie circulaire, c'est l'économie de demain, et c'est un formidable vivier d'emploi. Et dans les territoires où le taux de chômage est particulièrement élevé, il faut saisir de cette opportunité. Nous chez TerraVox, notre proposition de valeur, c'est vraiment d'accompagner les communautés locales pour les aider à transformer leurs déchets en ressources pour mieux vivre la ville. On met en œuvre différentes activités en physique et en digital qui vont de la communication à l'accompagnement plus poussé, à la formation aussi, au métier de demain, ambassadeur du tri, guide composteur, agent de ressourcerie, valoriser les déchets du BTP. On met en place des démarches d'accompagnement issues des sciences comportementales pour à la fin outiller en méthode et en équipement les communautés locales pour mieux gérer leurs déchets et pour mieux vivre la ville.
Donc voilà, aujourd'hui, cette méthodologie-là fonde nos programmes de communauté circulaire qu'on fait à Trappes, à Bondy, à Bobigny, à Bagnolet et puis bientôt dans d'autres villes en France, qu'on expérimente aussi à Bordeaux cette année. Donc voilà, ça c'est ce qui fonde notre action. Et si tu peux revenir à la slide avant, juste pour vous donner quelques chiffres, on a accompagné depuis 2018 plus de 200 000 personnes partout en Île-de-France. On est une équipe de 30 personnes aujourd'hui et on continue de s'étoffer. Donc on est à votre service pour vous accompagner sur ces enjeux aussi. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup Frédéric. On va devenir spécialiste de la poubelle. Hein. Je crois que ce soir, c'est vraiment, vous allez devenir des experts dont il y aura une interrogation écrite naturellement. Alors ce soir aussi, on va faire une transition. Parce qu'on est monté en puissance, on a découvert une société qui était très, très bien, qui permet de prendre soin de chacun d'entre nous dans l'entreprise. Donc c'est un concept qui vient de Hollande. Enfin, je ne vais pas trop en dire, parce que je crois que Damien Boyer va me tirer les oreilles. Et donc Damien va venir présenter tout ceci, c'est la société Good Habits. Alors c'est un moyen fabuleux pour embaucher des jeunes. Parce que le problème, les jeunes, c'est plus comme avant. Avant, il suffisait de leur proposer un package, etc. Et donc, ils venaient. Maintenant, il faut les attirer, les persuader et faire en sorte qu'ils restent dans l'entreprise. Et donc, il y a des gens qui ont démarré un concept fabuleux. Alors, en plus, avec la crise Covid, ça s'est accéléré. C'est vrai qu'ils sont en train de faire un massacre complet en France. Je ne vais pas dévoiler trop de choses quand même. Mais je te laisse t'exprimer. Bienvenue Damien pour nous présenter Good Habits. Bonsoir à tous. Merci Jean-Michel, merci beaucoup. Alors, j'ai mon petit micro, je te laisse t'asseoir. Merci. Ce n'est pas moi qui vais diriger les slides, donc je vais demander à la régie en haut de me gérer tout ça. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. On organise ces soirées depuis 2014 et moi je voulais vous parler un petit peu ce soir de moi, de mon expérience, mais aussi de Good Habits qui est mon employeur. Alors je vais faire comme Frédéric, je vais lever la main. On est ici pour tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est la baseline qu'on prône finalement chez Good Habits, d'essayer au quotidien de donner le meilleur de soi-même. Il y a des différentes techniques, bien entendu, il y a des méthodes pour pouvoir y arriver. Il faut faire un petit peu d'introspection de temps en temps. Essayer de réfléchir à ce que l'on dit, ce que l'on fait au quotidien. Et je voudrais du coup commencer tout ça, on va changer. Alors moi je suis papa, je suis musicien, je suis volontaire, je suis engagé, je travaille avec Jean-Michel depuis plus de 10 ans maintenant. Ce que j'aime c'est l'implémentation d'outils digitaux dans les grandes organisations, c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Je l'ai fait dans le domaine de la géolocalisation, dans le domaine du développement durable, donc c'est sujet évidemment de Citeo, de l'IXO, de toutes ces entreprises qui ont été présentées juste avant me parlent, je suis assez sensible à ces sujets. Et puis je suis passionné. Je suis passionné par la musique, d'abord. Je suis batteur depuis que j'ai 11 ans. Ça, c'est complètement personnel. Et puis, je suis passionné aussi par ce que je fais chez mon nouvel employeur, qui est donc Good Habits, société hollandaise, qui propose un Netflix de la formation. Et de la formation, pas sur des formations métiers, mais sur ce qu'on appelle les soft skills. Alors, je vais revenir dessus. C'est peut-être un nom un petit peu barbare pour vous aujourd'hui. J'espère pouvoir éclairer un petit peu votre lanterne sur ce sujet qui est important au quotidien, évidemment. On a parlé d'économie, on a parlé d'écologie, on a parlé de développement durable, on a parlé de tous ces sujets qui sont hyper importants. Et on a parlé aussi beaucoup d'humains, hein, puisqu'il y a des personnes finalement qui vont faire le tri, qui vont vous permettre de mieux trier, de mieux recycler, d'avoir des solutions qui sont extrêmement innovantes pour avancer dans le bon sens et essayer de protéger finalement notre planète dans les meilleures conditions. Le monde, il évolue. Hop, on continue tout de suite. Il évolue très rapidement. Toutes les économies, tout le système dans lequel on vit, ça évolue vite, ça évolue extrêmement vite. Il y a beaucoup de choses qui se font, que ce soit dans le domaine de la banque, des assurances, de l'innovation, de l'économie de manière générale, de l'écologie, bien entendu, comme on l'a vu. Tout va
extrêmement vite. Et ce qu'on observe aussi, c'est que ça va encore de plus en plus vite. Ça veut dire que chaque jour qui passe, bah, on innove d'autant plus, les choses vraiment s'accélèrent au quotidien. On parle de la digitalisation, bien entendu, on est tous avec nos téléphones au quotidien connectés 10-12 heures par jour devant nos écrans. On parle de la robotisation qui emmène aussi, on ne remplace pas totalement aujourd'hui l'humain par des machines, mais c'est quand même une tendance qui est évidemment importante. Il y a le changement climatique, hein, aussi, bah, qui ouvre finalement des nouvelles perspectives, des nouvelles obligations et puis des devoirs que nous avons en tant qu'être humain pour protéger notre planète. Voilà, tout va très très vite, hein. Alors ça, c'est, je ne suis pas convaincu de ce chiffre-là, mais néanmoins, c'est une étude qui a été sortie par Dell, hein, qui est une quand même grosse société américaine, pour le compte du Pôle emploi, qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Donc ça vous laisse imaginer un petit peu tout ce qui nous attend finalement dans les prochaines années. On va enchaîner, on voit que le monde évolue. Alors bonsoir, c'est important, nous sommes confrontés aujourd'hui à autant de distractions en une journée que nos ancêtres en un an. Alors nos ancêtres, je ne sais pas vous dire combien de temps exactement, néanmoins ça vous donne une idée un petit peu de cette notion d'accélération. L'entreprise, du coup, évolue également très très vite. Il y a parmi nous, un certain nombre de chefs d'entreprise que je reconnais, que j'ai croisés il y a quelques années ou pas. Et on se rend compte que bah, finalement, le monde, il évolue, et il évolue aussi avec bah, toute la jeunesse, hein, qui arrive sur le marché du travail. Je vais demander, voilà, la transformation. Hein, toutes les entreprises se transforment. On le voit aussi, hein, entre autres chez Citeo ou dans ces jolies innovations, que bah, c'est un sujet, on est obligé tous de se transformer. On appelle ça le change management. Hein, donc il y a des gens qui sont payés dans les entreprises maintenant pour essayer d'aller implémenter, intégrer ces nouvelles méthodes, ces nouveaux process, des nouvelles stratégies pour pouvoir bah, suivre finalement cette accélération. Et c'est un sujet sur lequel on va avancer. La transformation, alors les nouvelles générations, je vous le disais, hein, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une société, finalement, un jeune, avant, le recruteur disait « Bon, bah, cher monsieur, chère mademoiselle, qu'allez-vous pouvoir apporter à l'entreprise ?» Alors aujourd'hui, le paradigme, il a un petit peu changé, puisque maintenant, c'est plus le jeune qui va aller dire, finalement, aux recruteurs, aux ressources humaines, de dire « Bah, c'est pas moi, ok, moi je vais apporter mon savoir-faire, ma bonne humeur, mon sourire, mon expertise, mon professionnalisme, mais c'est surtout toi, employeur, qu'est-ce que tu vois pouvoir m'apporter pour que, un, j'ai envie de bosser pour toi, parce qu'on a des zappeurs, hein, en face de nous, on a des gens qui peuvent sauter d'un boulot à un autre comme ça, quasiment en un claquement de doigts. Donc voilà, on est là, on parle de toutes ces nouvelles générations, et il y a un terme un peu barbare, la QVCT, hein, c'est la qualité de vie et des conditions de travail qui ont été accélérées énormément là, avec le Covid, hein, qui est arrivé, je m'en souviens encore, un de nos échanges, le 16 mars 2020 avec Jean-Michel, où... tout s'est arrêté, hein, donc on s'est rendu compte aujourd'hui que la qualité de vie et aussi des conditions de travail pour la nouvelle génération était un impératif, finalement était quelque chose d'essentiel pour qu'on puisse donner envie à ce jeune ou à n'importe qui, hein, finalement, de pouvoir bosser pour vous, d'être impliqué dans ce que l'on fait, de se voir encore bosser pour le même employeur dans 2 à 3 ans. Alors je vais parler du upskilling et reskilling un tout petit peu après. Bref, le monde change. Hein, le monde change, et du coup, bah, pour cela, il faut arriver à se former, à s'informer, à être sensibilisé sur des sujets qui nous concernent finalement tous. Et c'est là qu'on parle de upskilling et de reskilling. Alors le upskilling, finalement, c'est ce qu'on fait tous au quotidien. Ça veut dire qu'on va essayer, le monde change, il y a beaucoup de nouveaux métiers, il y a des nouveaux outils, on utilise au quotidien aussi dans les entreprises ou personnellement parlant, on utilise des nouvelles applications, on utilise des nouveaux outils, on utilise des nouveaux softwares, des logiciels, etc. Donc il faut essayer de se maintenir à jour au maximum. Et puis le reskilling, c'est quand on change de métier, hein, et on le voit aujourd'hui avec ces grands départs où il y a 4 millions d'Américains qui décident de tout plaquer et de partir. Le même phénomène arrive aujourd'hui en France, hein, et on voit tous ces jeunes qui quittent leur boulot, qui bossaient dans la banque, l'assurance, et puis qui décident de devenir potier, plombier, artisan, ils vont faire du pain, en général, qui sont des métiers un petit peu plus artisanaux finalement que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est ça le reskilling, c'est d'avoir les bonnes informations pour pouvoir aller se reformer ou se former de nouveau sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout. Hein, donc c'est un petit peu ce dont on va parler ce soir avec Goodabiz, puisque c'est nous, c'est notre métier, hein, c'est de proposer finalement des formations dans ce qu'on appelle les soft skills, le développement personnel, pour vous aider à tirer le meilleur de vous-même, que ce soit personnellement parlant
ou professionnellement parlant. Pourquoi ? Parce que si vous êtes une meilleure personne au quotidien, si vous êtes content de vous lever le matin, si vous êtes positif, si vous êtes enthousiaste et enjoué pour votre vie, eh ben vous allez être toujours beaucoup plus efficace, performant dans votre entreprise. Ça sont des choses qui sont évidemment actées. On va enchaîner. Je suis désolé de me retourner à chaque fois, mais je n'ai pas de retour. Donc, alors ça, c'est notre petit cerveau que vous voyez à gauche ici. J'avais mis une autre illustration, mais qui a été enlevée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pétaoctet ? Un pétaoctet, c'est la capacité de mémoire de notre cerveau. Donc, on a une capacité à intégrer, à traiter de l'information au quotidien qui est démentielle. Un pétaoctet, alors je ne suis pas le gros spécialiste, mais si je me souviens bien, c'est 1 million de milliards d'octets. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces petites clés USB où on avait 128 KO il y a encore quelques années. Bah, notre cerveau, il en fait des millions et des milliards de petites clés USB comme celle-ci. Donc, on sait qu'on a un cerveau qui est super bien fait et qui permet de traiter et de prendre de l'information, de la traiter. Alors, quelques chiffres pour vous donner juste une idée de ce monde qui change, etc. Le premier chiffre, c'est 105 000. 105 000, c'est le nombre de mots que l'on voit approximativement. Bien sûr, ce sont des statistiques que l'on voit par jour. 35 gigas, ça, c'était une étude qui a été faite aux États-Unis il y a déjà quelques années. 35 gigas, c'est la capacité de traitement de notre cerveau. Donc aujourd'hui, on doit plutôt être aux alentours, à mon avis, de 50, mais on a vraiment une bête de course hein, dans notre tête. Et on prône bah, d'essayer de l'utiliser, d'aller trouver les bonnes techniques pour pouvoir l'utiliser dans les meilleures conditions. On a aussi 46 notifications. Alors j'imagine que, petite étude qui date de 2019 également, en 3 ans, ça a dû exploser. 46 notifications, c'est le nombre de notifications des réseaux sociaux, des SMS, de ce qu'on appelle les push, hein, finalement, que vous allez recevoir, hein, des emails que vous recevez sur votre téléphone. On en reçoit environ 46. J'imagine que pour certains d'entre vous, c'est encore beaucoup plus élevé que cela. Et puis 1 à 20... environ 60, mais je pense qu'on est aussi bien au-delà aujourd'hui. Finalement, c'est le nombre de fois où vous avez pris votre téléphone là, depuis le début de cette conférence. Hein, je pense que tous, bah, vous avez été amenés à sortir, vous avez eu un bip, donc vous avez pris votre téléphone ou pour prendre une photo, ou pour vous connecter sur une application, pour lire vos emails, pour vous connecter sur Instagram ou toute autre application que vous auriez pu utiliser. Donc voilà, c'est 1 à 20. On est à 60 par jour. Pour certains d'entre vous, encore une fois, ça va être bien au-dessus. Mais voilà, c'est pour vous donner une idée un petit peu de la quantité d'informations qu'inconsciemment, finalement, on est capable de recevoir et de traiter. Alors, souvent, on dit, quand on parle de formation, hein, puisque nous, on parle de formation, on met à la disposition des grandes entreprises du SBF 250 et des plus petites aussi PME, on met à la disposition cet outil pour se former au quotidien sur le développement personnel. On nous dit tout le temps, mais moi, je n'ai pas le temps. Hein, ça veut dire que nous, on s'adresse au RH, on s'adresse au L&D, ça veut dire les Learning and Development, c'est les responsables formation dans les organisations. Et tous vont me dire, oui, mais Damien, nous, on n'a pas le temps. Quoi. Les managers, ils n'ont pas le temps. Le top management, il n'a pas le temps. Les formateurs, les pédagogues, ils n'ont pas le temps. Et puis les salariés, les utilisateurs finaux, finalement, de la solution, c'est ils n'ont pas de temps. Alors moi, je pense qu'on en a du temps. Hein. C'est l'un des arguments que je sors. Aujourd'hui, si vous prenez votre téléphone une nouvelle fois, vous allez vous rendre peut-être compte de la quantité d'heures et de minutes que l'on va passer sur nos téléphones. Alors maintenant, il y a des outils de pilotage, hein, finalement, sur nos téléphones bah, qui permettent de savoir combien de temps on a passé. Alors ça, sans vous le cacher, c'est totalement personnel, mais ça, c'est moi hier. Donc j'ai passé hier 8h39 sur mon téléphone. Ça fait beaucoup, mais du coup, cette notion de temps, donc on sait, un, qu'on a un cerveau, avec une grosse capacité, et deux, que finalement, le temps, si on le veut, hein, si on pense que c'est quelque chose qui est important pour nous, et je pense que le développement personnel, essayer de tirer le meilleur de soi-même, est quelque chose qui est important pour 100% des personnes qui sont ici, bah finalement, du temps, on en a un petit peu, et il n'est que 20h, hein, donc voilà, 8h39, mais j'imagine, je suis curieux de savoir, Adnan, combien il y a d'heures de temps passé sur ton téléphone aujourd'hui, ou Dounia, voilà, c'est toujours très intéressant. On va continuer, alors qu'est-ce que c'est les soft skills ? Hein, je vous le disais, les soft skills, en fait, on va faire apparaître, c'est une traduction en anglais, mais j'imagine, sinon je le traduirai bien entendu, en fait, les soft skills, ça vient des US, hein, des États-Unis,
Ça a été, c'est un sujet qui a été identifié finalement dans l'armée dans les années 60 pour tout ce qui concernait tout ce qui ne peut être étudié finalement de manière générale ou tout ce qui ne requiert pas d'avoir été formé à l'utilisation d'une machine. Et en fait, c'est quoi plus précisément les soft skills ? C'est quand vous êtes dans un groupe de personnes, bah, pouvoir avoir toutes les capacités sociales finalement humaines pour pouvoir aller agir, interagir, devenir leader dans un groupe de personnes. Hein, donc ça passe évidemment par la communication, par voilà, l'apprentissage des langues, essayer de mieux connaître l'autre, les autres, la programmation neurolinguistique par exemple, bien dormir, bien manger, manger des fruits et des légumes, voilà, toutes ces actions qu'on est amené à faire au quotidien. Voilà, c'est bon, l'habilité de communiquer avec chacun et de travailler correctement tous ensemble. Donc ça, encore une fois, c'est un sujet qui nous concerne tous. Voilà, tu peux enchaîner un petit peu. Merci beaucoup. Voilà, une petite traduction, on en reparlera bien entendu, je serai très heureux de vous expliquer hein, dans le détail ce que sont que les soft skills. On enchaîne encore, s'il te plaît. Voilà, le développement personnel, bon, je vous le disais, on est tous concernés. Hein, on a tous envie au quotidien d'essayer de mieux dormir, d'être sympa, hein, d'être communicant, de voilà, pouvoir... En tout cas, on sait que plus on est bien dans ses baskets, hein, finalement, plus on va être efficace, on va être productif, on va être agréable avec les autres, et surtout, on va avoir cette capacité de mieux communiquer, de mieux travailler en groupe. Alors là, ça, c'est vous, hein, finalement, vous êtes tous des stars, et c'est le moment de tirer le meilleur de vous-même. Donc je voudrais aller un petit peu plus dans le détail maintenant dans ce que l'on propose, maintenant qu'on sait qu'on a un cerveau qui est bien fait, qu'on a une capacité de stockage, qu'on a du temps aussi, et si on ne l'a pas, je sais qu'on peut le trouver. Et on va, voilà, chez Goodhabit, nous, on essaye, alors vas-y, hein, on aide hein, au quotidien les professionnels, et donc des personnes, hein, des individus, à se sentir bien dans leur peau. C'est surtout aussi à se sentir bien de manière générale. Et pour ça, ça passe par plein, encore une fois, de techniques hein, que l'on peut mettre en place au niveau personnel ou le faire aussi en groupe. Et puis, c'est aussi, finalement, attirer le meilleur de soi-même, je vous le disais en introduction de cette présentation. Hop. Voilà, alors, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'on se rend compte, hop, voilà, on enchaîne, voilà, que c'est ce dont on se rend compte chez Goodhabit, c'est là je vais parler un petit peu plus spécifiquement, non pas de généralité qui vous concerne, mais plutôt de ce qui me concerne moi, et j'ai identifié aujourd'hui, j'ai commencé, je travaillais pendant plus de 10 ans avec Jean-Michel, qui m'a appris énormément de choses, et entre autres sur cet enthousiasme, ce côté positif, avoir envie de faire les choses, et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, d'oser, aussi, hein, finalement, à faire des choses quand on a envie de les faire. On voit Dounia, on voit Frédéric voilà, qui se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat qui n'est pas toujours évident. On voit Adnan hein, qui a eu un joli parcours aussi et puis bah, qui nous l'a dit, hein, c'est toujours semé d'embûches. En tout cas, il y a une chose qui est certaine et aujourd'hui, les études le prouvent, hein, vous pourrez aller voir sur Google, c'est qu'aujourd'hui, si vous bossez pour une entreprise qui a une culture finalement de positif, d'enthousiasme, plus performant, d'être agréable, de bien bosser ensemble, d'être content, de ne pas traîner les pieds quand on va au boulot, eh ben on se rend compte que toutes ces entreprises, elles sont plus performantes. Donc elles ont de meilleurs résultats de manière générale que les entreprises qui n'ont pas cette culture du positivisme, entre guillemets. Et souvent, cette notion, elle est bien entendu portée par le chef d'entreprise. Alors ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un petit peu la même chose dans l'apprentissage. Hein. Je vous le disais, si on veut essayer de tirer le meilleur de soi-même, si on veut essayer de commencer à faire de la peinture, à faire du dessin, à changer de métier, à commencer à se former sur un autre sujet, cette psychologie positive, avoir envie de faire les choses, elle a un vrai impact qui est non négligeable. Et du coup, c'est un petit peu la même chose quand on se forme sur un sujet, il faut avoir l'enthousiasme et l'envie de le faire. Hein, donc c'est encore une fois, les sujets sont variés. Chacun aura les propres sujets sur lesquels il a envie de se former, de s'informer ou de se sensibiliser. En tout cas, la première chose à faire, à prendre en conscience, c'est d'avoir envie de le faire, d'être positive et d'être enthousiaste quant à cela. Nous, chez Goodhabit, du coup, on rend l'apprentissage et l'apprentissage, encore une fois, sur les soft skills. Hein. Je ne vais pas vous parler de métiers très spécifiques, hein, de formation de métier. C'est des formations qui concernent 100% des personnes qui sont ici présentes, finalement 100% des employés qui sont dans les entreprises françaises, européennes et même mondiales. Donc nous, on essaye de rendre l'apprentissage accessible, hein, de le rendre aussi fun.
avec du contenu évidemment de qualité et flexible. Cette notion de flexibilité, hein, c'est finalement pouvoir se connecter à ta watt, hein, anytime, anywhere, on any device. Ça veut dire de pouvoir à n'importe quel moment prendre mon téléphone, où j'ai passé moi hier 8h39 dessus, de prendre mon téléphone pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 20 minutes, pour pouvoir aller me connecter et essayer de me former sur des sujets sur lesquels j'ai un potentiel finalement de croissance et ou en tout cas la motivation à aller découvrir ce sujet que je ne connais pas ou au contraire que j'ai peut-être étudié mais que je souhaiterais renforcer. Alors on a une petite vidéo mais on va la passer parce qu'on a une mauvaise connexion mais néanmoins je serais très heureux de vous la montrer. On va passer sur le prochain slide. Voilà, donc ça se transforme en quoi ? En 1500 formations qui sont disponibles à n'importe quel moment depuis vos téléphones, votre PC, votre tablette, depuis votre canapé, depuis celui-ci, ou depuis le siège dans lequel vous êtes assis aujourd'hui. Et on vous le disait, il faut prendre du plaisir. Donc pour prendre du plaisir, nous, quand on propose cet outil, on a ce qu'on appelle des formats pédagogiques. Donc c'est des toutes petites capsules, finalement, qui vont vous permettre d'apprendre pendant une minute. J'ai du temps avant une réunion, je suis dans le train, je suis à un moment où j'ai une minute à consacrer, finalement, à me consacrer à moi-même. Je suis capable d'aller me connecter sur un outil où pendant une minute, deux minutes, je vais aller me former sur ce sujet qui me passionne. On a 18 langues, on est en train d'exploser tous les compteurs. Il y aura bientôt 22 langues dans le catalogue. Évidemment, on essaye de créer du contenu. Tout est fait à la maison. Ça a été fait à Eindhoven, puisque le siège de la société hollandaise, néerlandaise, comme le disait Jean-Michel, est à Eindhoven. Et puis, on fait un environnement qui soit personnalisé. Vous savez, c'est comme quand vous connectez sur Netflix. Si vous aviez la même page que tout le monde, vous regarderiez peut-être un petit peu moins Netflix. Donc, on essaie, encore une fois, de créer un environnement. On parle d'UX, d'expérience utilisateur. On essaye de donner quelque chose qui soit extrêmement fluide, qui soit extrêmement agréable et qui soit diversifié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment lire, il y a des gens qui aiment regarder de la vidéo, d'autres qui aiment lire des podcasts, répondre à des quiz, à des questionnaires, faire des études de cas, travailler en groupe, parler avec quelqu'un aussi, parler avec un coach potentiellement qui pourrait vous aider à aller plonger dans des contenus auxquels vous n'auriez pas pensé en vous posant des questions avec cette fameuse intelligence artificielle, les robots conversationnels, où on peut poser des questions directement en ligne et avoir une personne qui va, une intelligence artificielle qui va répondre et nous orienter vers les sujets les plus pertinents pour nous. Alors une autre petite vidéo, c'est le grand chef Martin Franken que vous voyez à droite qui a créé la société, qui était dans le domaine de la formation depuis 1994 et qui a décidé, alors c'est amusant puisque la rencontre elle s'est faite un petit peu comme le lancement d'Adnan, en fait la rencontre entre le développeur qui a créé finalement l'outil Good Habits et Martin, ça s'est fait sur un comptoir en fait, ils buvaient des bières chacun dans leur coin et puis le développeur il était à l'époque, c'est ce qui lui plaisait en tout cas, il était serveur dans un bar et puis ils l'entendaient parler, puis ils ont commencé à échanger, ils se sont dit tiens, si on allait proposer un outil qui permet à n'importe qui d'aller se former sur ces sujets qui nous concernent tous et qu'on puisse donner du plaisir encore une fois à se former. Toutes ces petites vidéos, elles sont disponibles en ligne, on va passer. On a du coup, pourquoi Good Habits ? Il y a plein de raisons, je ne vais pas forcément les citer ici, et on a un site qui est très bien fait, goodhabits.com, on va accélérer un petit peu, s'il te plaît. Voilà, l'apprentissage adapté à chacun, créer une culture de l'apprentissage, ça c'est mon boulot, moi en tant que coach, Customer Success Manager, d'aller parler à ces directions RH, à ces directions formation, finalement d'aller créer cette nouvelle culture de l'apprentissage, en essayant de donner toutes les réponses aux soupirs que l'on pourrait avoir dans la plupart des organisations, quand on parle de BNP, quand on parle de Givenchy, de Dior, de Danone, d'Air France, de Pierre et Vacances, même encore aujourd'hui, quand on parle de formation, souvent la première réponse qu'ont les RH, c'est un pfff. Comme ça, ça veut dire qu'on tiens, on va encore aller s'enfermer dans une classe pendant 3 heures avec quelqu'un qui va nous parler. Moi, ça me saoule. Et nous, on a compris un petit peu qu'il y avait quelque chose sur lequel on pouvait apporter une petite révolution dans l'apprentissage, et ça passe bien entendu par le plaisir. Et puis une nouvelle perspective, puisque c'est l'avenir finalement qui nous attend. Et puis on va passer sur le dernier slide. Si ça fonctionne. Alors encore un, s'il te plaît. La régie.
Voilà, quelques chiffres. Je vous le disais, ça explose. On a un modèle aujourd'hui, on a des méthodes, on a des procédures, on a une stratégie qui parle finalement à n'importe qui. Alors en France, on a beaucoup de chance parce qu'on a de très très grandes sociétés, de très belles sociétés partout en Europe, partout en France, pardon. Mais ce qu'il faut se dire, c'est la société Good Habits est née du coup aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, les Pays-Bas font 17 millions finalement d'habitants. Aujourd'hui, il y a plus d'un million de Hollandais qui utilisent la solution Good Habits. Donc si on fait le prorata, j'espère que moi, dans quelques années, je vais arriver à travailler avec toutes ces organisations pour qu'on ait entre 5 et 10 millions de Français qui puissent se connecter régulièrement sur cette application qui vous permette de tirer le meilleur de vous-même. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des bureaux du coup dans 16 pays aujourd'hui en Europe. On a ouvert le Brésil il y a 2 mois, on a ouvert l'Argentine il y a 1 mois et demi, on a ouvert le Mexique, on ouvre l'Australie, on ouvre la Chine, l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, le Danemark avant fin 2022. Donc je vous laisse imaginer la quantité finalement de recrutement et de recrutement de gens qui sont bien dans leur peau, qui ont une bonne ADN, qui vont respecter finalement le mindset, l'état d'esprit de la société. C'est un vrai challenge pour Good Habits de pouvoir évidemment de grossir si vite, de s'implémenter dans des cultures qui sont complètement différentes à travers le monde et de pouvoir continuer à garder ce qui fait qu'on est tous dans le même bain, d'essayer de convaincre et de vous aider à tirer tous le meilleur de vous-même. Je compte sur ce moment évidemment, mais on s'en rend compte principalement pendant le cocktail. N'hésitez pas à aller voir chacun d'entre vous, à essayer d'être curieux, de mettre un petit peu de côté toute votre timidité, d'essayer de donner le plus grand sourire que vous ayez pour pouvoir aller rencontrer les gens, puisque c'est le but quand même de ces soirées. Je suis très content une nouvelle fois d'avoir pu présenter ce que je fais depuis un an chez Good Habits. Je remercierai jamais assez Jean-Michel Limoges, qui est vraiment un mentor pour moi depuis plus de 10 ans aujourd'hui, et je vous remercie tous pour votre attention et votre intérêt pour Good Habits. Merci à tous. Merci à toi. Merci Damien. Bon. Merci à toi, Jean-Michel. Voilà. Donc, ça fait toujours plaisir de voir les petits jeunes qui ont grandi, mais qui deviennent grands, et puis donc c'est ce qu'on appelle la transmission. Et vous voyez, donc il y a plein de choses. Faut vivre avec avec son temps. Il y a plein de choses qui sont positives, et donc c'est le message que je voulais vous passer ce soir, et donc qu'on souhaite vous passer ce soir. Ne restez pas cachés dans votre coin. Il faut toujours oser agir, et puis voilà, je crois que c'est un petit peu la devise qu'on a. Soyez positifs. C'est vrai qu'on a un environnement qui est pas facile. Enfin, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis bon, il y a des belles réalisations. Vous voyez, les gens, ils continuent à se développer, ils continuent à avancer positivement. Et donc, c'est le grand message de positif que je souhaite vous donner ce soir. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Vous savez tout sur la poubelle. La poubelle n'a aucun secret pour vous maintenant. Donc voilà, je remercie Citéo pour son efficacité, pour son support. Et donc voilà, je vous remercie. Alors, on a également d'autres remerciements à Jean-Michel en a parlé un petit peu au début de cette présentation. Alors vous avez peut-être pas dû comprendre parce que du coup j'ai une activité, je suis papa aussi, et je vous le disais, je suis musicien, mais à côté de ça je travaille chez Good Habits, mais je suis aussi au bureau finalement de l'association Roissy Entreprises. C'est moi qui m'occupe aussi de réseaubusiness.com, la plateforme d'affaires de l'association. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que si tous ces événements, ils ont lieu, alors là, il n'y en a pas eu lieu depuis 2019, mais si tous ces événements, ils ont lieu chaque année, vraiment, il y a du fond du cœur, je suis extrêmement touché, parce qu'à chaque fois qu'on appuie sur le bouton, qu'on sollicite des sociétés, toutes disent « mais oui, bien sûr qu'on remet le couvert, bien sûr qu'on va recommencer ». Donc une nouvelle fois, je voulais remercier Sabine et toutes ses équipes chez Citéo, Sabine Altebourg, qui ont permis de faire cet événement. Stéphane, qui est en haut, avec toute son équipe aussi, Stéphane Lacombe de la société Streamacacy, qui nous permet de faire la captation, l'enregistrement, et puis bien entendu, on va diffuser tout cela sur les réseaux sociaux très rapidement. Il y a une autre société aussi qui nous est chère, je ne sais pas si Richard est là, Siméonian, qui est le représentant de notre cher traiteur, qui vous offre ce soir un cocktail. Donc Harry Traiteur, Jean-Marc Nigogossian, si tu nous entends, tu n'es pas très loin. Merci beaucoup. Il est en Arménie, mais je pense qu'il doit nous entendre quand même, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Et puis je voulais remercier aussi Karine Barry, qui va vous proposer du coup un petit show que vous avez vu
là, avec une chanteuse qui est là et une petite danseuse du Lido aussi qui va faire, juste après à la sortie de cette conférence, une petite prestation. Voilà, une nouvelle fois, merci. Il faut aussi remercier Dominique Sarlabou. Aussi. Bien sûr, Dominique voilà. Sarlabou. Alors, les remerciements sont nombreux et je sais que Dominique, qui est où, il ne m'en voudra pas. Il y a beaucoup de personnes qu'on aimerait remercier. Et puis, vous tous qui êtes ici présents ce soir, on a commencé la com il y a un mois, hein, juste un mois. Aujourd'hui, on est quasiment 200, donc c'est un grand succès. On espère avoir encore un petit peu plus de temps. Je pense qu'on refera ce genre d'événement en juin de l'année prochaine au Beau Jour. Merci à tous, merci à tous les partenaires, merci Jean-Michel, merci Citeos. Profitez bien de ce cocktail et à très bientôt en tout cas. Merci. Tu veux qu'on fasse une photo ? Ouais. Ouais, demande pour une photo. Alors, est-ce qu'on peut vous solliciter une dernière fois ? Excellente request de Jean-Michel. Est-ce que vous pourriez tous descendre, s'il vous plaît, nous rejoindre sur la scène ? S'il vous plaît. Et on va demander à Dominique de nous prendre une superbe photo de groupe. Et je vous demanderai d'y donner votre plus beau sourire, bien entendu.